Ça comme à la gare. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Ah, je vous salue dans le tout puissant nom du Christ. Seigneur, merci. Tu m'as fait bien dormir. Merci. Tu m'as permis de me réveiller bien ce matin. Parce que j'ai fait cette prière, c'était de traquer le malin qui était parmi nous et qui semait la discorde entre les fils et filles du pays. Seigneur, nous t'en remercions. Nous sommes là devant vous. Bon, Dieu, c'est nous, Seigneur. On te remercie, mon frère. Et nous prions aussi. C'est comment les champions? Bonjour, bonjour. Dominique Awana. C'est comment? Voilà. Commencez la vidéo. On va voir comment. Gouza, même pour elle, ne se cache pas. Alors, laisse Gouza. Gouza, elle, c'est ma flèche. Femme qui fait ma flèche. Moi, j'aime bien ça. Ils sont où là même? Ça, c'est lui, les gens. Bon les gars, c'est vraiment. Ouais, repos, Bay Godo, tiens mono. Bon, vous connaissez l'affaire, hein? Vous connaissez la mission. La mission, c'est. Je suis devenu une mission. À savoir, cette mission consiste à démanteler une mafia. Bon. J'ai démembré cette mafia. Ouais, pas un travail qui a duré mais un an. Mais il y a encore des poches de résistance. C'est-à-dire, il y a Vivi Lamou qui est pris en otage. Et il y a le Bouvier en chef lui-même qui se débat comme un beau diable. Alors, il a fait une vidéo ce matin. J'ai regardé sa vidéo. Et le gars, il se débattait encore comme un beau diable. Il n'était pas cohérent. Parce que le gars, il pense qu'il est intelligent, mais il est bête. Voilà. Parce que quand tu es né bête, il demeure bête. Même si on t'a mis à l'école des scientifiques. Quand tu es bête là, tu es né bête, tu es plus bête, tu ne peux pas changer. Voilà. Allô? T'as reçu un colis. Ouais, t'as reçu un colis, un carton bizarre, je sais pas quoi là. Il n'y a pas personne de mon téléphone ici. Hein. Bon, il est en direct, il te rappelle après là. Très bon. Voilà. C'est quand même chaud. Il y a mon lit, moi. Il y a mon lit. Mon lit est fait, c'est tout ça. Voilà. Donc, j'ai regardé le droit de réponse à la vidéo de Philippe Babo. De la part de son ex-boss. Mais j'ai regardé la vidéo.
Le gars a voulu se justifier, il s'enfonce davantage. Voilà, mais nous, on n'est pas là pour là, on n'est pas là pour ça. Voilà. Tu te justifies, on s'en fout de ça. Tu n'as pas enlevé dans notre tête que tu as reçu 213 000 euros. Voilà. Nous, on sait que tu as reçu 213 000 euros et ce n'est pas le contraire. Voilà. Dans ta vidéo, tu viens encore nous narguer. Tu nagues Philippe Babou. Comme quoi, toi, tu peux. Tu n'as pas eu besoin de quelqu'un pour faire tes vidéos. Que tu es là ou là, toi. Petit, on se connaît. Quand ça chauffe sur toi, là, tu tentes de te cacher, tu pleures et puis tu veux que les soldats sortent pour te défendre un peu. Mais là, on verra ici, là. Quand je vais attaquer, là, il y a une voiture qui te défend. C'est Philippe Babou qui te donne le moral. Quand je faisais les vidéos, il sortait pour répondre. Mais souvent, il te soutenait. Vivien pas de soutenir. Voilà, parce que si elle essaie de faire sur sa tête, c'est là où. C'est là beaucoup de points qu'elle va encaisser. Voilà. Philippe Babou a fait une vidéo hier. Bon, comme j'avais dit hier, tu as son mot de passe de son compte Facebook. Donc, quand Philippe Babou a fait sa vidéo, vous devez changer de profil. Elle a mis sa photo avec toi pour dire tes soutiens. Mais pourquoi elle change de profil? Ça arrive à quoi? Bon, si c'est elle, moi, je trouve ça un peu pitié, quoi. Une femme qui est mariée, on sait que tu es mariée et tu t'affiches avec ton amant. On ne sait pas, ça rime à quelle logique. Mais tu payes, c'est qui te rend jaloux. Nous, tu ne rends pas jaloux, on s'en fout de ça. Mais quand on veut tromper quelqu'un là, on fait ça dans l'indiscrétion. Voilà. Toi, tu es marié, tu t'affiches ton amant sur ton profil Facebook. Donc, on fait quoi? Nous, on s'en fout de ça. Nous, souvent, on te demande, il faut écouter les MPA. Paye, tu es endoctriné, c'est tout. Voilà. Paye, tu es endoctriné. Le fait de changer ta photo de profil, mettre photo de Johnny, non, tu rends qui jaloux. Tu ne rends pas jaloux. Tu ne rends même pas jaloux. Au contraire, tu es endoctriné. Vous savez, une femme qui est mariée à quelqu'un d'autre ne peut pas s'afficher à son amant sur Facebook. Aux yeux et aux yeux de tous, pour montrer quoi à qui. Jean, vous soutenez trop quoi. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on souhaite que vous fassiez un enfant même. On attend l'enfant de ça là. Voilà, on attend l'enfant de cette union là. Nous, on attend l'enfant là. Moi, il est béni votre couple là. Mais ce qui est sûr, moi, ma mission, c'est de vous démanteler. J'ai réussi à segmenter le MPA. Maintenant, c'est à la tête, maintenant, à l'ossature même. L'ossature qui composait le MPA que j'ai cherché à fragmenter. Voilà. Et ça sera petit à petit. Moi, dans mes enquêtes, je ne suis pas pressé. C'est lentement, doucement et sûrement. Aujourd'hui, les gens sont contents. Voilà, parce que le MPA est démembré. J'ai vidé le MPA de sa substance. Voilà. Après, c'est moi qui vous ai ficelé. Je savais comment vous démembrer. Et j'ai démembré le MPA. Voilà. Je ne vais pas me réjouir parce qu'il y a démembré le MPA. C'est moi qui vous ai fabriqué. C'est moi qui ai placé mes boulons. Donc, je sais comment vous démonter. Pourquoi il me réjouit? Moi, il ne fait pas fête. Voilà. C'est comme Jésus. C'est comme Dieu. Dieu, on dit Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Maintenant, quelqu'un meurt. Et puis, Dieu le ressuscite. Mais ce n'est pas un miracle. C'est un miracle, c'est pas un miracle. Voyez, c'est Dieu qui nous a créé, il nous a ressuscité, c'est pas un miracle. On prend l'exemple terre à terre, un menuisier qui fabrique un tabouret, il brise le tabouret et puis il reconstruit le tabouret. Est-ce que c'est un miracle? C'est pas un miracle. Donc, moi, il y a des moments de MPA, c'est pas un miracle. Je ne vais pas m'en réjouir. On appelle c'est moi qui ai placé les boulons et c'est moi qui vais les dévisser. Voilà, j'ai dévissé les membres là. Maintenant, il reste c'est la nomenclature que je dois fragmenter. Hier, Dreboni m'a appelé, mais je n'ai pas décroché parce que j'étais en direct. Mais après, je vais causer avec lui. Voilà. Et puis, il va passer aussi aux aveux. Pas que je vais le forcer, mais il va parce qu'il est débarrassé. C'est un loup fado. Ils étaient avec toi contre les grès. Voilà. Tu étais comme un gourou. Tu voulais que les gens te vénèrent. Mais ce n'est pas bien. C'est pas bien. Tu es qui même? Tu ne payes personne. Mais tu utilises tes amis comme des boucliers. Et tu te sucres sur le dos. Ne fais pas ça. Tu n'es pas intelligent, mais tu es bête. Tu es très bête. Et aujourd'hui, maintenant, tu viens justifier, non. Que vous pensez qu'il a reçu 213 000 euros, tu te glorifies, non, rien, mon compte. Il y a 29 euros. Hein? Toi, maintenant, tu es fier d'avoir 29 euros dans ton compte. Il a fait une vidéo, les gars, sur YouTube matin. Il dit, voilà, ça même. Vous dites, il y a 213 000 euros. Moi, mais j'ai 29 euros sur mon compte. Pourtant, toi qui fais la vidéo pour te glorifier, que tu as payé un pot 4 000 euros. Tu payes 30 ans. Aujourd'hui, tu pleures, non, tu as 29 euros sur ton compte. Tu nous prends pour des cons, tu veux te justifier. Mais nous, on va te traquer. Revenons à ta vidéo de ce matin.
tu es venu montrer le nom 27 juillet 2019, 213 000 euros. Bon, moi j'ai vu les 213 000 euros, j'ai vu ça. Voilà. Mais et les autres transactions, ça a disparu. Parce que en temps normal, là, quand c'est tracé là, ça doit apparaître. Mais et les 20 000 euros, tu payes de ça. Pourquoi on n'a pas vu dans la vidéo? Tu as fait une vidéo ce matin où tu es venu dire, ah, voici 213 000 euros, 30 ans. Mais et les autres que tu citais, là, les 10 000 euros, les 8 000 euros, là. Moi, j'ai pas vu ça dans la vidéo. J'ai pas vu ça dans ton compte bancaire. C'est pas dit où ça. Mais tu as gommé ça. Il faut expliquer ça aussi. Ben, tu te crois intelligent, mais tu es bête. Tu te crois intelligent, mais tu es bête. Au fait, tu as fait ta vidéo. Tu as dit 213 000 euros. 230 000 euros. Transaction bancaire, 213 000 euros. Transaction bancaire, 11 000 euros. Les 20 000 euros. Matin, tu viens te justifier parce que Philippe Babou a dit, donc tu as pris 213 000 euros. Tu dis, non, tu n'as pas l'argent, tu as 29 euros dans ton compte. Ah, donc, aujourd'hui, tu te glorifies d'avoir 29 euros dans ton compte. Aujourd'hui, tu te glorifies. Pourtant, tu disais, ça ne mène à rien. Que toi, tu as m'humilié en France ici. Tu fais vidéo matin, tu te glorifies, non, j'ai pas l'argent, j'ai 29 euros. Mon frère, tu n'as pas 29 euros. Tu as 213 000 euros. Voilà. Et puis, nous, on t'a connu en tant qu'un gars qui aime la vérité, qui parle avec preuve. La maison que tu as achetée là, envoie les papiers, nous, on voit ça. Maison que tu as achetée là, c'est ta vie privée, on s'en fout de ça. Dès que tu es un homme public, on doit savoir tout. Parce que tu as appelé à être président, comme tu le dis. Tu veux être président. On a connu tes biens, ton patrimoine. Voilà. Parce que là, tu as commencé à émerger. On a connu ton bien, tes patrimoines. Maison que tu as achetée là, il faut envoyer les papiers. Nous, on voit ton nom. Ça, c'est pas un secret. Tu montes tes voitures ici, tu montes ton nom. Il faut envoyer maison que tu as acheté là. Maison que tu as acheté là. Voilà. Nombre de pièces là. Il faut envoyer ça non en voix claire. Voilà. Tu as dit que c'est pas notre problème. Oui, c'est pas notre problème. On s'en fout parce que c'est toi qui viens t'exposer ici. Tu t'as acheté une maison. Non, on dit 230 000 euros, c'est qui t'a bien. Non, c'est ta banque. Montre le papier de maison là. Envoie si ton nom, bien c'est pas ton nom. Non, mais ça va, ça c'est tout. Voilà. Sinon, moi, je sais que tu n'es rien. Voilà. Tu dis non, tu n'as pas eu besoin de Philippe Babou pour mener ton combat. Mais pourquoi est-ce que Philippe Babou a fait sa vidéo hier là? Pourquoi tu n'as pas remis en cause ce qu'il dit? Mais d'habitude quand il t'attaque, tu l'attaques. Il t'a pas attaqué, mais là, fallait venir le confondre. Fallait dire que Philippe Babou ment. Il t'a mis devant les faits accomplis. Non, pour ça que tu as justifié ça, mais tu viens pas être ton compte bancaire. Ça, c'est notre, ça c'est le débat qui a passé. Nous, on dit, Philippe Babou a dit c'est ça. Quand il était malade, tu n'as pas envoyé l'argent, tu l'as fustigé. Viens te défendre, c'est tout. Mais tu peux la faire ton compte bancaire, on s'en fout de ça. Nous, dans notre tête là, on sait que tu as reçu 500 millions. Voilà, tu n'as pas enlevé ça. Et puis nous, en haut, tu as reçu 500 millions, mon frère. Voilà, ça, tu n'as pas enlevé ça dans notre tête. Même si c'est fiction ou fictif, mon frère, tu as 500 millions. La preuve, on est. Tu as fait une vidéo sur YouTube où tu m'as nargué après t'effacer. Voilà. Quand tu te promènes dans ta maison, tu dis, ouais, des animés. Ah, chaussures, tu as des chaussures. Bon, est-ce que ça te rentre même? Genre, pour montrer que tu as payé chaussures, tu as payé tout. Mais tu es un gawa, c'est un gawa qui se comporte. Moi, dans ta vidéo ce matin, t'as l'homme est gawa, quoi. C'est André maladie. Tu viens faire vidéo, non, j'ai beaucoup de cartes. Hein. Ne pense pas que c'est les cartes bancaires, mais c'est les cartes des petits bonus, des petits bonus de supermarché. Ah, un homme qui a l'argent, tu cherches, tu t'en cherches une carte de bonus dans le supermarché. Tu vois? Toi, tu te le remets à la photo. Un ticket de caisse, tu le remets ça. Tu vois? Tu n'es pas intelligent, petit. Voilà. Mais le combat continue. On va te démembrer. Voilà. Et c'est une question de. Voilà. Parce que quand tout le monde commence à faire vidéo là, tu vas te plier, il te connaît. Il n'y a plus l'homme pour te soutenir. Il y a pas l'homme qui te soutient, c'est Philippe Babou. Voilà, le dernier rempart, il a quitté là. Vive pas faire vidéo. Vive, il n'a pas fait vidéo. Si elle fait vidéo, puis elle te défend, il a dit deux petits mots, il a effacé. Si elle a qu'elle quand elle fait vidéo, sous notre attaque, elle vient te défendre. Deux petits mots seulement en son endroit, elle va plus faire vidéo. Tu penses que ment, tester c'est rester. Voilà, tu es en côté maintenant, il n'y a pas l'homme pour te défendre. Donc, on va te manger, chacun va venir couper son morceau. Voilà, on est beaucoup, tu peux pas faire, même si c'est coalition, on s'en fout de ça. Les États-Unis là, eux là, ils peuvent attaquer la Syrie, eux seuls. Mais on dit l'OTAN, l'ONU, c'est la coalition. Voilà, tu as une gangrène, on doit se coaliser pour te détruire. Voilà, donc si tu veux, faut dire non, ils sont plusieurs contre nous, on s'en fout de ça. Voilà, parce qu'on a t'éradiquer. Voilà, tu as semé le désordre, tu as brisé certaines familles, tu as fustigé les gens, tu as menti sur les gens. Complot. Mais explique-nous aussi, tu dis la vérité. Par rapport à ton expulsion de la maison là, avec ta femme, explique ça aussi. Parce qu'il y a des ambiguïtés. Tu dis moi j'ai envoyé vidéo, mais le numéro qui a envoyé vidéo, t'as pas montré ça. Tu dis j'ai envoyé vidéo à ta femme, mais il faut bien expliquer ça aussi. Non mais ça va ça. Non mais ça va. Voilà, peut-être tu es un homme politique, tu dois venir nous répondre. Tu dois venir nous éclairer, mon frère. Voilà. Donc sache que tu es l'homme de toi-même. Voilà, on a démembré le MPA. Tu es, tu, es, tu, es, tu, es,
Tu as un cocon vide. Ce matin, tu as fait une vidéo. Je pensais que tu allais parler de Philippe Gbagbo, mais tu n'as pas parlé. Philippe Gbagbo, il ne fera plus de vidéos. Tu sors sur lui, c'est moi qui sors. Voilà. Philippe Gbagbo ne fera plus de vidéos. Ce matin, on s'est parlé. Il dit, champion, reste tranquille. Tu as fait ta part maintenant. C'est moi maintenant ici devant maintenant. Voilà. Tu as fait ta part. C'est moi ici devant. Voilà. Donc, Philippe Gbagbo, il ne va plus faire les vidéos. C'est fini ça. Ce qu'il avait à dire, il a dit, c'est tout. Mais en toi maintenant, là, papy, les maisons que tu avais achetées là. Viens montrer. Voilà. Je vais lui montrer. Toi, tu touches combien de temps tu as donné 213 000 euros. Nous, on n'a pas vieilli en Europe et on a fait 7 ans. Mais les gens qui ont vieilli en Europe, ils savent ça. Il y a un gars qui m'a appelé le matin pour tenter de me justifier. Non, dessin animé. Hé, champion, laisse ça. Nous, en Europe, on n'a pas gawa. Voilà, on voit les gens comment ils vivent. Voilà. Tu as 1500 euros par mois, là, pas te donner de crédit de 230 000. Jamais. Ça n'existe pas. Même si tu demandes 200 000 du toi, là, on a 50 000. Voilà. Et puis, un noir qui n'est même pas descendant, qui n'est pas protégé de rien. Les blés ne sont pas bêtes. Toi, tu vas protéger tes répéter ta nationalité et vont te dire 130 000 euros, 200 000 euros, ils sont bêtes. Et si tu fuis ton pays, ils font comment? Si tu fuis ton pays, ils font comment? Donc, laissez ça, champion. Voilà. Tu es un bandit. Tu es un voleur. Tu es un escroc. Tu es un malhonnête. Voilà. Tu es un falsificateur. Voilà. Tu es assimilé à un terroriste. Voilà. C'est ça qui est ton nom. Voilà. C'est ça qui est ton nom. Tu es une gangrène. Et donc, on doit t'éradiquer. Voilà. Tu fais du blanchiment d'argent. Tu n'as même pas honte. Tu es jeune depuis, tu es faussé. Et c'est toi qui as pris tes amis faussés. Non, c'est les faussés. Viens montrer. Mais maison, il faut montrer ses papiers en voie. C'est fini. Tout le monde connaît ton nom. Tout le monde. Même si on voit toutes les références, on ne peut rien faire. On ne peut pas pirater quelque chose. Viens montrer les papiers des maisons que tu as achetées. Toi, tu es qui dit que tu as acheté une maison. Tu seras où ça? Toi, tu fais que tu seras où? Tu nous prends pour des cons, quoi. Non, que j'ai venu fureux. J'ai venu fureux. Toi, tu as venu fureux maintenant, par contre. Maudit, là. J'ai fait un fureux. Ah, tu dégloues plus maintenant. J'ai fait un fureux de ma compte. J'ai fait un fureux de ma compte. Par qui y a que tu sois. Oui, ouais. Il a fait un fureux. Il a fait un fureux de son compte. J'ai fait un fureux. J'ai fait un fureux. T'as nous parlé de l'autre? Ah, faut laisser ça là, t'as rien signifié mon frère. Donc, t'as 29 000 euros, c'est ça qui m'a fait ça. Donc, chers amis, j'ai fait vidéo qu'il a. Il a venu, il a venu faire son compte. Non. Non, mon frère, c'est pas un problème. Il a venu faire son compte. Il a venu faire son compte aujourd'hui. Il n'a plus de 230 000 euros. L'homme qui s'est. Je vais en français ici. Non, c'est pas là. Il a fait le faux compte, 29 euros. Il s'en glorifie même. Le 27 septembre, vous allez sur Google Translate. Il a fait le faux. Voilà la taxe même que le gouvernement m'a pris pour la maison. Voilà ça, Vero Linen, ça veut dire. On comprend pas. Voilà la taxe même que le gouvernement m'a pris pour la maison. Voilà ça, Vero Linen, ça veut dire. 25 septembre 2000. Pour moi, pas le temps de lire tes visuels là, con là, j'aime pas. Ça, ça m'intéresse pas ça. Voilà. Matin, tu as fait ta vidéo. Tu as parlé de 213 000 euros sans parler des autres transactions là. C'est ça à montrer. Voilà, ça là. Cette transaction là, ici là. Attends, coupe la musique. Les gars, un instant, je vais couper la musique. Voilà, ça là. Ça a disparu de ton compte bien ou quoi? C'était bizarre. Ce matin dans sa vidéo, il parle que de 213 000 euros. Mais pourtant, il y avait aussi 13, il y avait 10 000 euros, 20 000 euros. Et quand il monte sa banque, les 20 000 euros ont disparu, les 11 000 euros ont disparu. Mais c'est que les 213 000 euros qui apparaissent. Mais pourquoi, champion? Explique où sont passés les 20 000 euros là. Où sont passés ça, mon frère? Il faut expliquer ça. Et quand tu Tu me parles de comment on appelle ça. Et voilà,
Voilà. Maintenant, okay, ce matin, quand il fait sa vidéo, il n'y a plus 20 000 euros dedans. C'est que 213 000 euros. Explique où c'est parti les 20 000 euros là. Il faut expliquer ça. Le 7 juillet 2019, vous retenez ça. Il faut expliquer ça. 2019. Voilà la réalité. Alors, chers amis, maintenant vous pouvez aller sur Google. Vous pouvez aller sur Google. Ici là, 181 000 euros. Ici, 11 000. Mais ils ont fait ça en deux parties. Donc, faites la somme des deux là. Vous allez voir. Faites la somme, les amis. Vous êtes tenus à le faire. Bon, tiens, faut faire. Non, je ne sais pas. On cherche pas à te comprendre. Nous, on sait que tu as été payé par le gouvernement en place pour vilipender le président Laurent Gbagbo. C'est ce que nous on retient. Voilà. C'est ce que nous on retient. Voilà. On sait que tu es un menteur. Voilà. Et on t'a payé pour ça parce que selon toi, tu as là oratoire. T'as du péran, caillou en or. Dans la raison pour laquelle les gens ils ont misé sur toi. Mais tu étais mal tombé. Bon, ceux qui vont mettre des commentaires bizarres là, moi je les supprime. Voilà. Quand ils viennent comme ça, c'est qu'ils suppriment des gens. Voilà. Je n'ai pas appelé les gens de venir suivre ma vidéo. Voilà. Moi je suis venu informer les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens qui sont lucides. Maintenant, ceux qui baignent dans le fanatisme aigu là, voilà. Moi je m'en fous de vous. Comprenez que dans une salle de classe, le premier de classe là, si c'est pas toute la classe, à un moment donné, il faut qu'on les remette en cause. Voilà. Si le premier de classe, il se bat avec tous les élèves de la classe, c'est que c'est lui qui est le problème. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'avoir bac plus tranché pour savoir que ouais, c'est ce chien-là qui est le problème. Donc, ceux qui ont venu parler de jalousie, nous, on s'en fout de ça. Voilà. Déjà, même les mains, là, ne sont pas la même chose. Est-ce qu'on est jaloux? Nos doigts, là, ce n'est pas la même chose. Si on est jaloux. Donc, un jaloux de qui? On va être jaloux de qui, les gars? Voilà. Nous, ce que nous, on retient, la mission a été accomplie. Voilà. La mission a été accomplie. Philippe Gbagbo est sorti du MPA. On va essayer de contacter les autres pour voir son pays reconstituer. Voilà. L'ancien groupe. C'est tout. Et pour faire un combat par l'Africain. Parce que ce gars nous a beaucoup sali. Il nous a beaucoup sali. Il a jeté le Tshisekedi. Il a bougé des foyers. C'est parce qu'il n'est pas entré dans la vie privée des gens. Il a gâté un mariage. Il a gâté un mariage. Ça, je vous le dis, mais il n'est pas venu rentrer dans la vie privée des gens. Voilà. Donc, ma raison pour laquelle je suis de cette mission. De démanteler ce bonnet de grand chemin. Voilà. Parce que c'est Philippe Gbagbo qui pouvait l'aider dans cette tâche. Mais aujourd'hui, Philippe Gbagbo n'est plus. Il sera l'homme de lui-même. Et aujourd'hui, il fait vidéo pour dire non, j'ai pas besoin de quelqu'un. On verra, on se connaît. Peut-être que tu es un grand peureux. Tu aimes beaucoup les soutiens. Quand tu es attaqué, quelqu'un n'a pas soutien, ton moral est HS. On s'est vu ici. À faire des blés boudés. Quand ils ont tiré sur toi, tu es devenu fou. C'est moi qui suis sorti payé. Voilà, tu t'es calmé. Tu dis, ah, mon défenseur, mon globe est sorti d'or ici content. Tu es venu parler aussi. Mais là, envoyez les missiles, envoie si tu peux sortir. Envoie si tu peux sortir. Voilà. C'est que si nous, on a fini de faire le missile, c'est. Voilà. C'est Philippe Gbagbo qui était ton homme de main. Voilà, le dernier fidèle. Il est sorti, c'est fini. Vive Seigneur, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Voilà. Donc les gars, dormez tranquille. Il n'y aura plus de foyers qui seront brisés. Il n'y aura plus de conspiration. Parce que le gamin, il est l'homme de lui-même. Il ne peut plus rien faire. Voilà. Il ne pourra plus rien faire parce qu'il a été démantelé. Voilà. Dre Boni a fui. Philippe Gbagbo est quitté là-bas. Tout le monde. Et tous sont partis. Même Vivi, même là. Le compte Facebook, ce n'est pas pour elle. C'est pour lui. Voilà. Mais comme on dit, qui dirait qu'on sent raison pour laquelle elle a oublié un peu de la titiller. Sur le compte Facebook là, de Vivi Lamou là, c'est pas elle qui commande, c'est lui qui commande. Puis là, son mot de passe. Et ça, c'est de l'esclavage moderne. Comment quelqu'un qui n'est pas ta femme, même les gens, mais les propres femmes, n'ont pas le mot de passe. Toi, quelqu'un qui n'est pas ta femme, cinq copines, tu as son mot de passe. Tandis que son mari même, qui est Mougoussa, qui sont mariés légalement, il n'a pas son mot de passe. Et là, c'est pas esclavage ça. Les gens qui mettent un commentaire, jalousie, bon, ça c'est vous qui voyez, hein. Voilà.
Ça c'est vous qui voyez. Voilà. Nous sommes dans un combat noble. Nous sommes dans un combat pour rétablir la vérité. Maintenant, si vous n'êtes pas la vérité, c'est vous qui voyez. Si vous pensez que dire la vérité, c'est. Benito, il dit tu n'as pas d'autre sujet. Mais toi, tu peux avoir sujet, non? C'est sûrement que c'est un sujet, quoi. Le con de ta maman, c'est aussi un sujet. Tu peux parler de ça. Voilà. Moi, je ne suis pas maître, je ne sais pas pour ça à l'université. Moi, c'est ce qu'il s'est fait. Venir faire une vidéo, puis raconter n'importe quoi, c'est ça qu'il s'est fait. Voilà. Donc, je n'ai pas de sujet. Mais ensuite, tu estimes que le sujet ne te plaît pas. Mais va ailleurs, va dans les canaux plus. On ne t'a pas appelé ici, mon frère. Voilà. Ceux qui sont là, c'est pour venir écouter mon histoire. Voilà. Il n'y a pas bipé quelqu'un pour dire ah, venez me regarder. Si tu es là, c'est pour venir t'intéresser. Ça ne t'intéresse pas, tu ne viens pas commenter ici. C'est tout, voilà. C'est tranquille. Ta vie, c'est facile. Quand on n'aime pas quelque chose, on ne vient pas, on ne traîne pas là. Mais vous n'aimez pas. Il y a un gars qui vient qui dit, mon plus là, c'est un Burkinabé, ouais, sa vie. Ta vie, c'est quoi? Kadi Zerbo. Denis à sa maison, à lui, ça vous fait mal. Mais moi, il dort dehors, quoi. Hein, Kadi Zerbo. Ton nom, il ressemble à Diabin, Zerbo. Zerbo, c'était un grand voleur Burkinabé avant. Zerbo, t'as un nom de Zerbo, tu n'as pas honte. Tes frères, pour t'appeler Zerbo. Zerbo, c'est le nom de voleur. Le grand voleur d'Afrique, il s'appelait Zerbo, c'était un Burkinabé. Toi, tu annonces ça, puis tu parles encore. Tu viens. Putain. Elle dit, tu parles comme un bobo. Mais moi, c'est dénié ça. J'ai jamais dénié que c'est bobo. Bon, il n'y a pas de bloquer. Non, je ne la bloque pas. Laisse. Et c'est bloqué, Kadi, là. Elle sera très contente. Elle dit, ta parole ne séduit pas. Eh, les gars. Moi, je suis content parce que. Voilà. Mon but a été atteint, c'est tout. Voilà. Donc, si vous êtes fâché, vous n'êtes pas fâché, je m'en fous de ça. Tout comme le fait Philippe Babo, je l'ai enlevé là-bas, c'est tout. C'est ça qui est mon problème. C'est pour laquelle il ne dormait pas, c'est tout. Mais le reste, à penser ce que vous voulez. Jalousie ou pas jalousie, ça c'est vous qui voyez. De toute manière, vous, c'est comment vous êtes. Voilà. Moi, je m'en fous de ça. Depuis que vous parlez, c'est moi qui vous écoute. Voilà. Vous dites, qu'est-ce que vous ne pas dit ici? Dessin comme ça. Voilà, moi, je m'en fous de ça. Kadi Zerbo, je n'ai même pas débloqué. Voilà. Ça tu vois c'est l'ingérence hein. Tu es Burkinabé, tu viens te mettre dans tout le Côte d'Ivoire, on sait pas, attends moi son visage. Kadi Zerbo, elle est ta parole séduit pas comme si moi j'ai dit que tu es un séducteur. Kadi Zerbo, puis ça c'est les vilaines personnes qui font vilaine chose. Ah. Putain. Il a continué. Il y a femme. Hein. Femme qui est jolie là. Il y a mon mec si joli que toi. Il y a mon mec garçon si joli que toi. Il y a comment tu es. Mais t'as l'image de ton nom Zerbo. Hey, je n'ai pas pitié de toi. Puis ça c'est le Burkinabé typique. Ça vous aimez couleur. Il y a comment tu es. Couleur. Partout. Moi, ça me fait mal. Après, quand on parlait, vous avez dit non, c'est xénophobie. Ici, là, vous n'avez jamais vu un Ivoirien. Ici. Quand vous avez fait une vidéo, vous venir commenter. Ça n'existe pas. Nous, on règle le problème entre nous. Nous, là, on règle ça entre nous. Ivoirien fait une vidéo, c'est Ivoirien qui est là-bas. Mais vous, Ivoirien fait une vidéo, vous êtes là, on dit vous êtes Ivoirien. On est ça vous concerne. Vous venez malien, du latin, vous faites. Mais qu'est-ce que vous avez quel problème? Quand il va, c'est les États-Unis, bien. C'est pas les États-Unis. Là, un monde là, laissez-nous en paix. Ah, tiens. Et puis en plus, il met un produit en plus. Putain. Vous, partout, il y a ingérence. On y a terroriste chez vous là-bas. Faites vidéo pour appeler la police de ça pour la dire ça. Il y a terroriste chez vous là-bas. Maintenant, on vient, on fait nos vidéos. On y va, on parle de nos problèmes. On parle de nos, ce qui nous concerne. Mais vous, venez dedans. Vous qui n'avez pas s'y mettre. Mais attends, vous, attends, c'est quoi le problème? Montrez-moi un Ivoirien où vous faites une vidéo puis viens commenter. Montrez-moi. Montrez une de vos vidéos où vous faites une vidéo puis un Ivoirien commenter. Si l'Ivoirien commente, c'est que c'est passé, ouais. Vous parlez de son pays, donc il vient commenter. Mais si ça parle, il parle de ton pays. Il ne parle pas de votre pays. Mais pourquoi vous venez commenter? Pourquoi? Tu cherches quoi? Alors, un moment donné, arrêtez un peu, grandissez un peu là. Tiens. Tu n'es pas joli, c'est toi qui vas te montrer ici. Puis elle est faux habite tout ça là. Elle est culotte. Yeah. T'as pris comme Johnny Pacheco, c'est vous portez cravate, ça arrive sur vos testicules. Ya. Yeah. Nadi.
De quel style cela? Là, tu n'es pas joli. Tu viens insulter les gens. Il y a la vente là. C'est que Grèce qui sort à côté là-bas Hé, Kadi. Tu n'es pas joli, vous venez insulter les gens. Moi, lui, insulte, moi, il dit, moi, il t'affiche en même temps. Là, tout le monde te connaît. Là, comment tu te maquilles? Tu n'es même pas joli, tu viens insulter les gens. Code rouge, tu as mis sur ta tête là. Code, tu portes nu, c'est pas. Nu, là, quand on porte la mousse, c'est pas qu'on porte, mais c'est que nu, on porte ça, c'est un habit. Là, tu portes nu, André, c'est pas. T'es chien lui-même, quoi. C'est ça, c'est nu le chien, ça, c'est nu le chien. Ah, Kadi. Kadi, fais-toi respecter, pardon. Hein. Moi, je ne suis pas de votre pays. Voilà, moi, je suis ivoirien. Je n'ai pas mes frères ivoiriens. Voilà, donc, il faut nous laisser en paix. Voilà, nous, c'est notre problème. Voilà, non, pas du Johnny qui est escroc, c'est tout. Johnny qui a abusé les foyers, Johnny qui a coquiffé des femmes, il a baisé les femmes des gens. C'est de ça que nous, on parle. Voilà. C'est de ça que nous, on parle. Et on dit, c'est un travelo. Bon, mon cher, moi, je ne suis pas. Ah, mais il voit. Je comprends maintenant. Kadi Zerbo, elle a porté la vidéo de Johnny. Elle dit, Johnny, tu as tout dit. Quand on a été amené avec une personne, même s'il y a des soucis entre vous, il faut se réserver et ne pas dire certaines choses. Ta mère, quoi? T'as lui dit ça, quoi? Merci à toi, le plus important pour toi, il faut toujours parler avec des preuves pour être crédible. Moi, Kadi Zerbo, je te connais très bien. Tu danses pas avant la musique. Restez comme tu es. Tu devais être maintenant. Oui, la vidéo, quelqu'un a pris la vidéo. Ah, je comprends maintenant, je comprends Kadi Zerbo. Ah, Kadi, tu viens plus commenter. Viens commenter, tu vas voir. Connerie, là. Moi, je ne vous bloque pas. Moi, je ne bloque pas. Quand ces femmes ne bloquent pas, tu fais et t'affiches en même temps. Ah, ton vilain visage, tu es allé ici. Montre-moi même ta copine, si elle est plus belle que moi. Montre ma copine, quoi. Montre ma copine, championne. Ah, c'est pas un problème, c'est de montrer ma copine. Aïe. T'es monté ma copine, c'est pas un problème ça. Ah, t'es monté ma copine. Voilà. Ça, c'est ma copine, ça. Voilà. T'as dit. Ça, là, c'est ma copine, on n'est plus ensemble. Voilà. Ça, là, c'est ma copine, ça. Voilà. C'est pas de la camelote. Ça, c'est ma copine, ça. Voilà. C'est pas de la camelote. Oui, c'est ton camarade, Konoriman. T'as vu, montre ma copine. Ici, ils ont parlé même quoi? Connerie là. Et maintenant, ma copine, maintenant, ta copine, maintenant, ta copine. Plaisantin là. Voilà. Voici nos copines aussi. Voilà, t'as vu non? Voici nos copines, voilà, t'as vu non? Regarde ses cheveux. Voilà. Là, c'est ma copine aussi. Voilà. Vous n'êtes pas la même chose. Voilà qu'elle a ici. Voilà. Ma copine, vous n'êtes pas la même chose. Plaisantin là. On parle de Denis Pacheco, l'escroc, toi t'as venu dire. Hé! 07 58 11 28 74, venez intervenir qui était ici là. Il dit quoi? Parle-nous des preuves que Denis a montrées. C'est là qu'on attend. Moi-même, c'est la preuve. Voilà. Moi-même, ici, preuve. Donc, je ne sais pas de quelle preuve tu parles. Moi-même, ici, preuve. Voilà. Un point, c'est tout. Après, Fanta Ouattara, elles sont fâchées. Ils sont beaucoup ici, les Fanta. Après le vol de téléphone, qu'est-ce que tu peux dire? Tu es Tchèkbè et vilaine, tu vas ouvrir ton coin. Oh. Tout le monde sait que tu vas vilain, les gars. Voilà. Tout le monde sait ça. Pas comme Patrick Blindé. C'est bizarre. Allô? C'est comment, pas comme Patrick Blindé? Moi, je suis en direct, hein. Tu es intervenu quoi? Bon, j'écoute. Hein. Faut parler fort, on t'entend pas là. On t'entend pas, on t'entend pas, hein. J'ai dit, je veux, maintenant c'est bon? Ouais, c'est bon maintenant.
Voilà. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. On t'écoute. En fait, c'est pas pour parler mal aux gens, aux étrangers. Mais de grâce, quand nous, on parle de notre affaire, on peut enlever la sale gueule là-dedans. On peut enlever la sale gueule là-dedans. Cette zarbou-là, il y a terroristes chez eux là-bas. Il y a plein de terroristes qui ont tué ses parents. Ses parents qui n'arrivent même pas à manger là. Qu'elle passe des postes pour parler de ça. Qu'elle parle de ça. Ah ouais. Une salope, une suceuse de bite comme ça, là, elle a qu'à arrêter de nous foutre de bordel. Ah ouais. Voilà, ça c'est un. Ah ouais. Maintenant, concernant, hier j'ai suivi ton direct là, il y avait l'autre là qui avait intervenu parce qu'il était dans un mouvement bizarre donc il ne pouvait pas trop parler. Mmh. Il y a un gars qui a intervenu parlant de Gaulle là. Mmh. Voilà. Il dit Gaulle là, ce n'est pas un parti politique. Mmh. Gaulle là, ça c'est un. C'est une parenthèse, hein. Gaulle là, ce n'est pas un parti politique. C'est plus une philosophie. Donc, faut pas, les gens vont dire il faut adhérer ou bien il ne faut pas adhérer. Tu es libre de faire ce que tu veux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut en fonction des ambitions, en fonction de sa philosophie. Ah ouais. Bleu Goudé là, n'a jamais dit, Bleu Goudé a toujours dit ici que lui n'est pas FPI. Ah ouais. Mais lui, il est babouiste. Ah ouais. Donc, est-ce à dire que Bleu Goudé n'est pas dans la philosophie de Babou? Ah ouais. Voilà. Donc, quand les gens veulent parler là, il ne faut pas vous obliger les gens à faire quoi que ce soit. Ouais, ouais. On se connaît nous tous ici. Ouais, ouais. Maintenant, Johnny Pacheco. Ouais, ouais. Ce Johnny Pacheco qui fait la honte de la génération que nous sommes. Ouais, ouais. Vraiment, je ne sais pas où lui il a été formé. Hein. Mais on dirait qu'il ne s'est pas rentré. Il a fui formation commando. Parce que ça, là, ce sont les gens à l'infirmerie qui passaient. Il dit, lui, les gueux, ils sont là, les gueux. Champion, lui, il a dit, c'est infirmerie. Voilà. Il, c'est infirmerie. C'est infirmerie. Ça, là, on se connaît. C'est infirmerie, je connais beaucoup là. Parce que quelqu'un là, quelqu'un qui est passé vraiment là. Vraiment, il y a ce qu'on appelle la retenue. Et puis, quand tu fais quelque chose, même quand tu es malfrat, nous tous, on est quand même malhonnête quelque part. On a quand même marmaillé un peu. Bah ouais. Mais tu te caches, tu marmailles un peu, et puis tu pries Dieu, faut pas ça sortir. Bah ouais. Mais un gars qui est formé réellement là, il peut pas se permettre d'exhiber certaines choses où on sait d'abord que tu fais du faux. Bah tu ouais. Es d'abord un trompeur, Bah tu, ouais. Tu fous le bordel partout, tu exhibes. Mais quand c'est mou dans ton cas, c'est là maintenant tu veux venir changer la donne. Bah ouais. Qu'il arrête de se foutre des gens. Bah ouais. Qu'il arrête de se foutre des gens même. Faudrait que. Il sache au moins ce qu'il veut. Il a décidé d'être marmailleur, il a décidé d'être gauche, il a décidé de marcher avec Ahmed, avec le. Bon, moi, il n'y a pas peur, il a décidé de marcher avec Ahmed Bakayoko, le groupe là. Si Ahmed Bakayoko reçoit Maposo, c'est que c'est un groupe de marmailleurs, tout ça là, tu vois, tout ça là, c'est le même groupe. Donc, il a décidé de faire eux. Ouais. Il va venir emmerder les gens. Ouais, ouais. Faut même pas, il va venir emmerder les gens. C'est un voleur. Si tu fouilles bien là, il fait du blanchiment d'argent. Ouais, ouais. Si tu fouilles bien, c'est un contrebandier. C'est un contrebandier? Lui là, il sait que. C'est-à-dire, contact physique comme ça, contact physique là, c'est pas bon pour lui. Ouais, ouais. C'est pas bon pour lui. Donc, je vais pas monopoliser la parole. Ouais, ouais. Les gens te suivent les choses. Mais je demande pardon. Zerbo là, son visage, on dirait chameau là. Mmh. Son visage André Chameau, je sais pas si tu vois quand on voit Chameau, quand Chameau sourit là, ouais, ouais. Sa sale gueule là dans l'affaire des Ivoiriens. Ouais, ouais. Qu'elle nous épargne tout ça là. Elle enlève sa sale gueule là dans notre affaire. Ouais, ouais. Voilà. Bon, ça, moi c'est ce que je voulais dire. Ok, merci champion, on est ensemble. Voilà, on est ensemble mon frère. Ok, ciao. Au-delà, c'est pas une vidéo constructive, hein, voilà. C'est une vidéo yougou yougou. Donc quand quelqu'un envoie une flèche, il répond aussi. Mini en bac. Ouais, tu dis des animés, va chez le travail. Ça, c'est mon travail. Mais rien, tu ne comprends pas. Je vais sur ton mur, dans tes photos, et je vois ma photo dedans. Regardez ça. Je vois ma photo dedans. Je vois ma photo dedans. Attends un instant. Je vais sur mon mur, sur ton mur, dans tes photos, je vois ma photo dedans. Ah. Tu veux faire fétiche ma photo, quoi. Tu ne comprends pas. Il y a ma photo sur ton mur. Dans ton album photo, depuis le 25 mars, pourquoi tu as fait ça? Hein? Mini en bac. Tu as fait ça pourquoi? Voilà. Et puis là, vous dites, le gamin, c'est un malhonnête. Parce que vous voyez, moi, il y a plus de risques quand même hein, de m'afficher ce petit-là.
Parce que je me rappelle, quand on a créé Jossi Gang là, on était à Dieu de partout. Ouais, Jossi Gang, la lueur d'espoir, la lueur d'espoir. Et le petit que s'y met dans ma tête, il a un dessin. Donc, il a fait une vidéo pour dire que lui, il peut proposer les bourses d'études à l'étranger. Quand on a fait cotiser les gens. Les gens ont envoyé l'argent. Et puis, nous, on fait comme si on donne les bourses d'études aux gens à l'étranger. Il dit, ah, petit cœur, c'est encore format de lui-même là. Donc, moi, il est dissuadé. Donc, depuis longtemps, c'est un voleur. Je me rappelle bien. Il y a des vidéos, il a fait des vidéos pour dire, ah, jusqu'à là, il m'écrivait, ah, mes vipères, nous, on va avoir bourses d'études pour se rendre à l'intérieur. En Europe. En Europe, on veut la bourse d'études. Le petit m'a dit, nous, on va faire des vidéos pour dire, non, on donne bourse d'études. Il dit, mais, ah, petit, tiens, encore tu veux me mettre là. Il dit, non, que mon vieux, laisse ça. C'est la dissuade. C'est la douceur. Donc depuis longtemps, le petit, il est dans un jeu. Lui, c'est l'argent ou rien. Lui, c'est l'argent ou rien. Voilà. Si je me rappelle de ça, il a fait une vidéo pour dire, ah, la Jossi Gang, on peut vous aider à faire des bourses d'études étrangères pour étudier au Mali, en France, aux États-Unis, au Canada. Mais rappelle bien, dans notre début, on ne faisait pas politique. Et maudit. Allô? Oui, allô, commando. C'est comment? Ouais, je suis là. J'ai suivi le truc. De toute façon, le type là se débattait ce matin là. T'as vu sur YouTube, se débattait. J'étais en train de regarder, mais je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Il dit là, 29 euros dans son compte aujourd'hui. 29 euros. Je suis surpris. Parce que ce qu'il a présenté, il parle de 29 euros là. Hein? 29 euros là. Hein? Ceux qui font le online banking là. Hein? Ils vont savoir de quoi je parle ici. Ouais, ouais. Ça dit quoi? Quand tu regardes sur le relevé de compte sur ton ordinateur, ouais, tu peux mettre à partir de telle date jusqu'à telle date. Ouais. Tu peux aussi dire, bon, je ne veux pas que tu me présentes telle date. Ouais, ouais. Ça veut dire que toutes les transactions où il y a eu, comment on appelle ça, capture d'écran là, ouais, ouais, il peut les faire disparaître, les mettre en archive. Ouais, ouais. Tout ce qu'on a obtenu, tous ceux qui ont online banking savent que ça fonctionne comme ça. Ah ouais. Maintenant, on va revenir sur cette affaire du fait qu'il dit qu'on lui aurait accordé un crédit. Mmh. Bon, faut pas qu'il va prendre les gens pour des idiots. Mmh. Peut-être c'est ceux qui sont au pays là, mmh, qui peuvent faire ça. Ah ouais. Mais nous qui sommes ici là, il peut pas le, c'est pas possible. D'abord, quand tu vas chez, je vois, tu vas, je suis filé à déjà expliquer ça hier. Ah ouais. Mais je vais essayer encore. Quand tu vas à la banque, tu dis tu veux crédit. La première question qu'on te demande, c'est pourquoi. Ah ouais. Même si c'est privé, tu dois leur dire c'est pourquoi. Maintenant, après ça, on te demande d'envoyer tes trois derniers bulletins de salaire. Ah ouais. Maintenant, on va te demander maintenant tu veux combien. Ah ouais. Si tu as dit la somme que tu veux, maintenant on va te demander si tu es dans une maison que tu loues ou bien c'est dans ta propre maison. Ah ouais. Tout ça pour faire des calculs pour voir si tu es à mesure de payer les traites. Ah ouais. Maintenant, les banques ici, c'est pas comme au pays là, c'est pas des marmailleurs. Non seulement tu te permettre de payer les traites, mais ils font en sorte que tu ne meurs pas aussi de faim. Ah ouais. On va te demander, tu as combien d'enfants à la maison? Vous vivez vous avez combien dans la maison? Tu payes ton loyer à combien? Est-ce que tu as une voiture? Etc. etc. Pour qu'au moins, à la fin du mois, après qu'eux, ils aient pris leur traite et les autres crédits que tu as, je ne sais pas quoi, mmh, pour qu'au moins tu aies plus que 600 à 700 euros pour toi-même. Ah ouais. Pour que tu puisses t'occuper de tes enfants, te nourrir, payer ton électricité, etc. etc. Ah ouais. Bon, on lui a donné 200 000 euros. 213 000 euros. Ok, on lui a donné 213 000 euros. À partir de quelle garantie on lui a donné ça? Un gars. Il ne le dit pas dans sa vidéo. Mmh. Il ne le dit pas. Ah ouais. Il n'a qu'à nous dire s'il a un château quelque part qu'il a donné à la banque en garantie. Voilà. Là, en cas de non-remboursement, on peut. Il a donné en garantie. Il dit. Un château en garantie, là, en cas de non-remboursement, on peut mettre ça sous hypothèque, on peut hypothéquer. Il la maison, et puis c'est bon. Ah, il m'a... Laisse. Il m'a... Si c'est son oncle, la maman de son oncle qu'ils ont mis à garantie à la banque là-bas ou quoi,
C'est pas possible, faut pas qu'il va se foutre déjà. Il aurait dû faire comme on fait ça, saut. Faut dire, bon, voilà, j'ai pris l'argent et puis faites de moi ce que vous voulez. Voilà, c'est tout. Fini, on passe à autre chose. On parle à autre chose. Mais tu es justifié, les justifiables. Dans tous les sens, tu as tenu à aggraver la chose. Oui, oui. Et puis, concernant son passeport, là, il dit pas pourquoi il a reçu le passeport. C'est moi qui l'ai poussé à faire le passeport. Parce qu'il a eu le passeport. Et pourtant, il a fait cotiser aux gens pour dire où est mon passeport. Moi, je suis venu, il a foutu sur le gueule. Il dit, mais les petits gawa, ils ont qu'est. Moi, je suis en train de passer le Côte d'Ivoire. Il a gueulé mon passeport là-bas. Puis, je suis sorti. Le lendemain, il a fait, il a mon passeport. Il dit, voleur là. Donc, tu as ça, il dit pas aux gens là. Plaisantin comme ça, là. Gawa. J'ai un ami qui travaille ici dans une banque avec qui j'ai regardé la vidéo. Mmh. Il me dit, mais c'est de qui il se fout là? Mmh. J'ai dit, ah, peut-être qu'il pense qu'il a en face de lui des idiots. Il y a un gars qui dit, ça garantit son CDI. CDI, c'est pour lui sauter là quoi. Pour CDI. Là, comment tu es idiot? C'est du n'importe quoi. Pour garantir ses CDI. Parce que les documents qu'il a là, aujourd'hui on parle d'Internet là. Moi, je peux aller sur Internet et fabriquer ça. Un document comme ça. Mais la preuve en est, aujourd'hui là, son truc bancaire là, il n'a pas montré où il y avait les 20 000 euros sur le même truc là. Ça n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas dessus? Il fallait qu'il montre aussi. Plaisantin, toi. On l'a pris la main dans le sac. À cause de son zèle, il s'est mis lui-même, c'est-à-dire il s'est exposé lui-même à cause du zèle. Ah ouais. Parce que s'il n'avait pas montré son relevé, ou Makoso l'a provoqué, s'il n'avait pas montré, ah ouais. Aujourd'hui on était peut-être encore en train de spéculer. Ah ouais. Mais cette image que les gens ont pris, qu'on photographiait là, ah ouais. Il ne peut plus s'en sortir. Ah ouais. Il ne peut plus s'en sortir. Parce que 213 000 euros. Tu es arrivé quand en Europe, tu travailles depuis quand tu vas te donner 213 000 euros, une banque. C'est quelle banque là? C'est Nordea. C'est n'importe quoi. Bon, c'est parce que il y a protection de, comment on appelle ça, de comment ils appellent ça ici là. Si par exemple, si moi je vais demander à NDA, ils ne vont pas me donner les informations. Puisqu'on protège sa personnalité. Ouais. Mais sincèrement, il ne faudrait pas qu'ils prennent les gens pour des idiots. Qu'ils reconnaissent carrément, on m'a donné. Et puis, bon. À quoi dire, c'est fini. Ah. Et puis, c'est fini. Tu as venu monter ici. Parce que ce qu'il raconte là, c'est du n'importe quoi. En tout cas, c'est du vrai n'importe quoi. C'est-à-dire, celui qui croit à ça, c'est que vraiment lui-même, son idiotie là, je ne sais pas où c'est arrivé. Ah, mon cher. Ça a dépassé même, ça a dépassé. Voyez, les papiers qu'il est en train de présenter là, ça, c'est de la dissuasion. C'est de la dissuasion. Parce que ceux qui blanchissent l'argent là, c'est la même procédé. Ouais, ouais. Mais c'est un faussaire, Johnny, c'est un faussaire. Ceux qui prennent l'argent, ils volent l'argent dans les caisses de l'État et puis ils envoient ça dans les paradis fiscaux là. C'est de la même façon qu'ils procèdent. Ouais, c'est un faussaire. Donc lui, il travaille où? Il est le directeur général de la société où et puis, là, wow. Et puis dans sa vidéo qu'il a présentée, il disait non, ah, j'ai mon propre business. Toi, t'as quel business? Toi, tu vends quoi? T'as quel société? Qui nous présente son propre business? Son de, comment on appelle ça là? Registre de commerce là? Son registre de homme de d'affaires business, là? Il nous présente. Il dit, il a mon propre business. 007. Il nous a présenté son numéro là? Il a son propre business. Tu fais quel business, mon frère? Tu vends quoi? 007, au moment où les gens étaient en train de spéculer, il est venu, il nous a montré. Il a monté son business. Denis Pacheco. Dis moi. Il y a business là. Montre-nous le numéro. Tu payes tes taxes là où? Voilà, faut montrer. Toi qui payes taxe 4000 euros, aujourd'hui tu fais vidéo, non, j'ai 29 euros dans mon compte. Il pleut maintenant, non, j'ai 29 euros. Aïe. Il s'amuse là. La fiscalité finlandaise là, ils vont faire attention à ça. Et puis on dit, mais attends, toi tu as 213 000 euros dans ton compte et puis tu ne payes pas taxe. Mais maintenant il a fait vidéo, il dit il a 29 euros dans son compte. Que 29 euros? Un gars qui s'est glorifié, il dit il a 29 euros dans son compte. Mais sûrement il y a quelqu'un qui lui a dit faut faire attention sinon le service de fiscalité finlandais va venir mettre la main sur ton argent. Ouais, c'est ça. Parce que tu peux pas vivre dans un pays, toi tu as jeton et puis tu payes pas taxe. Ouais, c'est ça. Je regarde la vidéo, il dit mais qu'est-ce qu'il veut démontrer? Ouais, c'est ça. On t'a pris la main dans le sac. Dis en même temps, Joe, j'étais coincé, voilà, c'est pour cela que, bon, j'ai pris, terminé, j'ai pas besoin Champion. De vous expliquer, mais j'ai pris. Champion, oui.
Attends, il y a répondu à des commentaires là. Bon, les gars, les gens qui commentent, ils disent les aigris. Voilà. Nous ici là, nous sommes dans une réunion d'aigris. Voilà. Donc, si tu n'es pas aigri, il faut quitter sur le direct. Nous, on est aigri, c'est tout. Nous, on reconnaît, on est aigri. Nous, on n'est pas comme Johnny. Lui, il est lâche, il n'est pas reconnu qu'il a reçu 213. Nous, on est aigri. Lui, on est aigri parce qu'on a payé l'un du contribuable de la Côte d'Ivoire. Il a fait quoi? Nous, on est aigri. On est en réunion ici, on est en conclave. On est en conclave sur mon mur. Donc, quand tu n'es pas aigri, tu quittes le direct. Tu fous quoi ici? Quittez le direct, les gars. On n'a pas forcé ici. Voilà, nous, on est 582 aigris. On est là, on parle en tout passé, ouais, on est fâché. Donc, si vous n'êtes pas aigri, quittez ici, c'est tout. Champion, faut parler. Il y a une encore qui cherche à répondre là. Elle écrit ici, c'est possible. Elle s'appelle Apolline Kop-Bezomène. Ah, c'est possible. La ça, c'est une Togolaise. C'est une Togolaise. Voilà, la personne qui l'a acheté est sa garantie. Ils ont donné 250 000 euros à sa femme, à sa soeur. Mais même si c'est sa garantie là, il a eu l'argent là où pour acheter cette garantie là. Bah. Faut réfléchir un peu. Laissez là. Il est assis dans triplex. Il dit que c'est sa maison. L'argent là, il a eu ça où? Parce que triplex. Il a qu'à montrer. Il a qu'à montrer papier de maison. Parce que ici, en Europe, ici, la triplex là. C'est-à-dire que si tu n'as pas au moins 250 000 ou 300 000 euros, tu ne peux pas avoir triplex. Ce n'est pas possible. Ouais, ouais. Donc, il a eu l'argent là où pour acheter triplex là, pour faire mettre ça en garantie pour qu'on lui donne 213 000. Ouais, ouais. Tu ne peux pas prendre des gens comme des idiots. Ouais, ouais. Champion, faut que voilà, il y a un gars qui est intervenu. D'accord. Ce qui est sûr, il sera traqué, il n'y a rien à faire. Ouais, non, il est isolé. Il est isolé, c'était le but. Il est isolé. Il est isolé. Il est isolé. Comme un lion dans une cage. Ouais, ouais, il est isolé. Ok, d'accord. Il est isolé. Bon, les gars, ici, nous sommes aigris. Voilà, nous, on est aigris. On n'a pas besoin de vous ici. Voilà, laissez les aigris dans les réunions, c'est tout. Allô? Ouais, monsieur. Ouais, salut, déjà. C'est comment, champion? Ouais, ça va. En fait, j'ai regardé la vidéo de Johnny ce matin. T'as regardé bien. Ouais, puis j'aimerais faire une précision parce qu'il se fout vraiment de la gueule des gens. Ouais, il faut parler fort un peu, s'il te plaît, parle fort. Allô? Faut parler plus fort, s'il te plaît. Allô, tu m'entends là? On t'entend. Voilà, je dis, il se fout vraiment de la vie des gens. En tout cas, dis ça aux gens. Dans sa vidéo, même, il s'est trahi lui-même sans savoir. Voilà, explique-nous bien. Tu savais? Voilà. Parce que moi, déjà, moi, j'ai une maison ici. Et c'est ma belle-sœur qui a une maison en Finlande. Bah ouais. Où tout le monde, il n'y a pas un banquier sur la terre là. Faut que les gens comprennent bien qu'il n'y a pas un banquier sur la terre là qui va te virer de l'argent sur ton compte pour une maison. Si on aurait tous pris ça et puis on se serait barré. Ah ouais. C'est même pas possible. Et ils disent non parce qu'il y a moins. On va te virer de l'argent sur ton compte et puis après on fait moins. Mais ils sont fous ou quoi? C'est pas possible. Moi, ça veut dire tout simplement que cet argent-là, tu as amené ça sur un autre compte. C'est pour ça qu'il y a moins. Ah ouais. Voilà. Donc les gens sont en train de crier non, oui, c'est jalousie. C'est pas jalousie. Johnny est pareil que celui qu'on appelle Makoso. C'est les marmailleurs. Ils sont dans leur marmaille. Et il sort des documents, les documents en haut, il ne montre même pas le nom. Ah ouais. Tu vois? Donc il faut qu'il arrête. Tous ceux qui suivent ça là, c'est que des cons. Ah c'est ouais. Des gens qui ne savent pas. On ah ne ouais. Peut pas te virer de l'argent en France ici. Champion, quand tu as vu la vidéo, il a dit qu'il avait 29 euros. Un gars qui s'est glorifié d'avoir de l'argent. Il a dit plein qu'il a 29 euros dans son compte. Bah oui, bah parce qu'en réalité, c'est que ça qu'il a. Ah ouais. C'est que ça qu'il a. Voilà, donc faut que les gens arrêtent. Johnny ne peut pas avoir 213 000 euros, c'est pas de la jalousie, c'est juste du foutage de gueule qu'il fait aux gens. Ouais, ouais. Voilà, ouais, ouais. C'est tout. Merci et bonne continuation. Ok, ensemble, champion. Ouais. Bon, les gars, parce que, genre, nous, on n'est pas jaloux. On dénonce l'enrichissement illicite, c'est ça qu'on dénonce. Nous, on n'est pas jaloux. Moi, je suis jaloux de qui? Voilà. Aujourd'hui, là, c'est un groupe animé. Ouais. Ouais, dessin. C'est quoi, champion? Ouais, ça va. Je t'écoute. Ok. Tu sais, moi j'ai un seul truc à dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, on parle des sous, c'est vrai. Mais moi, je retiens quelque chose. Quand on dit être malhonnête, là, lorsqu'on dit tu veux critiquer un pouvoir en place et tout, les gens au départ ne disaient pas que je dis il a reçu de l'argent.
On a toujours dit qu'il avait reçu de l'argent, il voulait nier. Mais vous savez, aujourd'hui, il a des acolytes, il a des amis. La Jossie Gang, quand vous avez commencé, vous étiez combien? Vous étiez plusieurs. C'est-à-dire, la moralité, c'est quoi? Quand vous voulez suivre des amis, il faut vraiment savoir quels sont les amis. Aujourd'hui, la moralité, c'est que la Jossie Gang, vous êtes parti à plusieurs. Aujourd'hui, le gars, il se retrouve seul et tout le monde lui parle de la même chose. Et il est sourd, il aime l'argent, c'est-à-dire, où il peut vendre son propre enfant, il peut vendre ses parents, il peut vendre n'importe. Quand on dit qu'il a reçu de l'argent d'Afi, effectivement, c'est ce que moi je retiens. Aujourd'hui, il a reçu de l'argent pour pouvoir salir qui? Pour pouvoir salir Mabo. Bah ouais. Ça, tu ne peux pas le salir. Si tu veux le démystifier, il faut toi-même être propre. Quand on parle de Makoso, mais ils s'attaquent, c'est qu'ils sont même chose, c'est la marmaille. Bah ouais. Mais aujourd'hui, c'est la preuve. Ton ami Philippe Gbagbo, qui était ton dernier rempart, si lui-même il se met là pour faire une vidéo pour dire qu'il quitte la Jossie Gang, allons-y comprendre quelque chose. Et Vivi Lamour, comme vous dites là, ce sont ceux qu'on connaissait, les trois derniers, c'était Dréboni, Vivi Lamour et puis Philippe Gbagbo, qui étaient là. Mais eux tous sont partis. Aujourd'hui, c'est lui et Vivi Lamour. Vous allez voir demain, Vivi Lamour, aujourd'hui, là, moi je considère qu'elle est séquestrée. Demain, elle est séquestrée, mon frère. Vidéo, là. Voilà. Demain, quand elle va faire une vidéo, elle va dénoncer beaucoup de choses. Ouais, ouais. En ce moment, elle ne peut pas le faire, il y a une relation sexuelle. Ils ont été comme go et gars. Donc, c'est pourquoi elle réfléchit. Ouais, ouais. C'est pourquoi il y a des trucs qu'elle n'a pas envie de dire. Ouais, ouais. Toi, tu as parlé ici. Les gens te traitent de quoi que ce soit. C'est un grand menteur parce qu'il t'a traité de voleur de portable et tout et tout. Ouais, vous avez été des amis. Vous êtes restés dans une circonstance. Et aujourd'hui, voilà les problèmes. Ouais, ouais. Les problèmes qui se trouvent là, ceux qui suivent, ceux qui font des commentaires, qu'ils retiennent. Moi, aujourd'hui, tous ces gens de trucs là, on regarde là, mais c'est pas bête, hein. Il y a des leçons à tirer. Les leçons à tirer, c'est quoi? C'est la compagnie, les hommes avec qui nous marchons. Faisons présentation, mais que ce soit dans cette lutte, que ce soit partout où vous marchez, tu ne sais pas qui t'en veut. Mais si son propre ami l'a fait aujourd'hui, moi j'ai été étonné hier quand j'ai vu la vidéo, j'ai demandé même si c'est une ancienne vidéo, mais je regarde Philly, il y a longtemps il avait grossi le cœur, il a parlé. Ouais. Moi, les points qu'on fait, non c'était 200 000 euros, c'était ceci. Moi c'est pas les points qui m'intéressent, hein. C'est la leçon à tirer. Aujourd'hui, c'est confirmé que c'est un faux type. Parce que si Philly l'a fait, c'est que c'est un faux type. Les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Mais il ne peut pas démystifier Gbagbo, il ne peut pas démystifier un parti politique. Aujourd'hui, ceux qui le suivent pensent que c'est l'homme le plus extraordinaire. Mais c'est un marmailleur d'un écrit. Tous ceux qui ont cotisé lorsqu'il avait des problèmes, lorsqu'il disait que sa femme l'a quitté et tout, s'il a la grande gueule, qui sait qu'il a vraiment l'argent, qui rembourse les pots. De toute façon, il l'a remboursé à Makoso. C'est tout. Hé, hey, d'abord, vous êtes Makoso, hein? D'abord, vous êtes. Il n'a pas remboursé. Non, jamais. Il a dit se montrer, il a compté. Il aime se montrer. Il n'a pas remboursé, c'est un maudit. Il remboursé. Voilà. Donc, de fait, toi, moi je dis toujours, il y a des gens qui considèrent les vidéos où on tchafoule comme pour Tony. Tu passes dans des trucs où tu fais des décryptages, que toi-même tu penses que c'est de l'amusement, mais tu fais des décryptages très très dangereux. Aïe. Ils font qu'aujourd'hui, ça ouvre les yeux de celui qui a envie de vraiment comprendre. Et c'est un champion. Voilà. C'est un champion, faut le dire, parce que ça ouvre les yeux. Les gens, ils cherchent les vidéos où on les ment, où on tchafoule, comme Johnny fait, comme il fait ceci. Nous tous, on le suivait, mais aujourd'hui, là, tes décryptages que tu fais depuis un certain moment et la manière que tu montres que la fraternité, c'est quelque chose de précieux, là, que les gens retiennent ce fond. Mais quand on ne retienne pas, le mensonge de Johnny, ça sort petit à petit. Et voilà. Et moi, j'intervenais pour dire juste à ceux qui interviennent, comme cette cerveau ou bien quoi, là, qui raconte. Il y a des gens qui sont fanatiques dans tout. Ouais, ouais. Mais il faut être fanatique dans la vérité, dans ce qui est logique. Ouais, ouais. L'homme n'a plus d'amis, tous ses amis se vont loin de lui. C'est parce que la personne, j'avais dit un jour, a un problème. Et ce problème-là, il est capable de vendre n'importe quoi pour de l'argent. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, ce n'est pas crédible. Son histoire, c'est mort. Il va toujours faire sa grande gueule. Mais ceux qui ont une réflexion vraiment positive, verront que ça va donner des leçons pour ceux qui côtoient. Et surtout, moi, je te tire entre le chapeau. Aujourd'hui, tout ce que tu disais est venu en nu. Moi, j'attends pour vivre un jour. Et ça va se faire. Ok, à fond, champion, là, ensemble. Voilà, ok. Ok, merci pour l'intervention. Voilà. Ok. Il va y pour, tiens, 5 minutes. 5 minutes, c'est bon.
Ouais, t'écoute. Je dis, c'est pas bien positionné, il faut bien positionner la Ah. caméra. Voilà. Ça va. OK. Je voulais juste dire que les gens n'ont pas fait attention à quelque chose que Johnny a montré aujourd'hui. Parce que Johnny, il s'est lui-même foutu dans la merde. Il montre deux choses. Il montre un contrat, Ben ouais. hein, passé avec sa banque. Mais le contrat, là, le contrat dit combien? Supposons que c'est un contrat vrai et que c'est effectivement un contrat pour pouvoir obtenir une maison, c'est un prêt. Mais le contrat dit combien? C'est combien on lui prête sur le contrat? Moi, c'est pas, j'ai pas vu, moi ça m'intéresse pas ça. Ah, tu n'as pas vu? Y a pas, les D'accord. papiers, y a pas vu, moi ça m'intéresse pas. Si j'ai bonne souvenance, le contrat dit 180 000 euros. Si je me Ouais, souviens bien. c'est ça, 183 000 euros, un truc bizarre comme ça, ouais. Voilà. Donc, ça ne justifie pas les 230 000 euros. Les 213 000 euros, c'est ça, ouais, c'est ça. Les 213 000 euros. Voilà. Parce que moi, j'ai pensé qu'il allait dire, voilà, la banque m'a prêté 213 000 euros, voici le contrat. C'était pour acheter une maison et que les 213 000 euros que vous avez vu sur mon compte là, c'est ça qui est ici sur le contrat. Mais quand tu regardes sur les papiers, il a montré ça à plusieurs Ouais, reprises. C'est 183 000 euros, il y a vu, il y a vu la partie là. voilà, 180 et quelques mille euros. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il montre un mot, c'est-à-dire devant les 213 000 euros là. Il a dit qu'il y a un moins, non? Y a un moins, hein. Et ce moins-là, il dit que c'est la banque, en fait, qui a repris l'argent. Alors que c'est faux. Il y a un mot anglais qui est devant là, où ils ont mis withdraw. C'est du quoi? Withdraw, voilà, ça veut dire qu'il a retiré. Chaque fois que tu retires de l'argent, que ce soit dans un guichet automatique, que ce soit à la banque met withdraw 10 $. Withdraw 20 $. Ça dépend. Mais c'est qu'un sur chaque fois que tu retires de l'argent, on met withdraw. Donc, même quand tu vas au guichet automatique, on te met withdraw. How much do you want to withdraw? C'est-à-dire combien tu veux retirer. Et tu vois. Et voilà. Donc, le mot withdraw, ça veut dire retirer de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Les 213 000 euros, là, comme on ne peut pas retirer ça à un guichet automatique, il est allé à sa banque. Et il a demandé à sa banque de lui donner ça en cash. Et je ne sais pas comment la banque a pu lui donner 213 000 euros en cash, mais je pense que c'est ton argent. C'est ton argent. Donc si la banque dit si tu dis, je suis venu retirer tout mon argent en cash, ils vont te donner. Donc les 213 000 euros là, le camarade a retiré ça à sa banque. Donc Philippe Gbagbo a complètement raison. Le gars a perçu de l'argent de quelqu'un. Moi, jusque-là, je ne crois pas que le gouvernement Ouattara puisse lui donner 213 000 euros. Je pense que c'est beaucoup. C'est une centaine de millions de francs CFA. C'est trop. Mais il a reçu cet argent. Ou Mais bien il va y alors. beau. Quand on fait les calculs, parce qu'on dit qu'il y a un contrat de 181 000 euros sur une autre feuille et un contrat de 71 000 euros. Ce qui fait la rondelette somme de 252 000 euros. Donc ce n'est pas 213, c'est 252 000 euros. C'est plus que ça. En tout cas, ça ne tombe pas juste. Ouais, Ça ne parce tombe pas juste. Ça ne tombe pas 213 000 au euros. fait, il se Il y a fourvoie, il se fourvoie lui-même, il se fourvoie. C'est qu'il a reçu plus. Voilà. Si tu veux, je sais pas si tu n'as pas la vidéo, tu n'as pas accès à la vidéo. Non, il y a accès, c'est sur YouTube, mais il n'y a pas le temps de ça. Il n'y a pas le temps de ça. Voilà, d'accord. Donc, ce sont les deux choses que je voulais te montrer. Une chose est sûre à 100%, là je sais que je ne me trompe pas du tout, c'est que cet argent a été retiré. Ça, c'est à 100%. Ceux qui sont connectés sur le live, actuellement, je ne peux pas voir les commentaires, mais celui qui comprend anglais, withdraw 200 000 $, ça veut dire qu'il a retiré C'est tout? 213 000 C'est euros. tout? Donc, pourquoi il a retiré? Non, Voilà. Après toutes les explications que les gens ont données, que
jamais te transférer sur ton compte 200 000 euros pour aller acheter une maison. Bah ouais. Ça, on a déjà expliqué. Voilà. Mais le gars est allé retirer l'argent pour faire sortir l'argent du circuit bancaire. Bah ouais. Voilà, parce que une telle somme, c'est pourquoi le camarade tout à l'heure parlait de choses, comment on appelle ça, des taxes. Si une telle somme d'argent est sur ton compte bancaire, on va savoir. Donc, ah ouais. On sait que le fait de retirer l'argent et de garder ça en cash, ça allait lui faire, ou bien d'aller mettre ça dans une autre banque, il pensait que c'est pour ça que tantôt il dit il a l'argent, tantôt il dit il n'a pas l'argent. Mais Audi il dit il a 29 euros son compte. Il a 29 euros. Voilà. Mais si tu vas, hein? Il y a combien de temps? Il y a seulement 3 semaines, dans sa vidéo où il disait qu'il allait rembourser les 1000 euros de la bourse, il disait que 1000 euros, c'est pas l'argent. Voilà, que lui hein? Les riches, mais Audi, il pleure, il dit non, même il n'y a pas les 29 euros sur son compte, t'as vu, non? C'est un cinéma, c'est un voleur. C'est à ce jeu-là qu'il joue. Hein? Donc, moi, je voudrais dire ici, si tu regardes la vidéo de Fred Jumi, affaire d'argent, là, il faut le laisser, parce que tu t'es déjà trop fourvoyé. Pour quelqu'un qui a les yeux ouverts, pour quelqu'un qui connaît l'argent, il sait déjà que tu t'es trop fourvoyé. Il faut le laisser. C'est un conseil de Fred que je te donne, parce que tu n'as pas ton temps. Tu n'as pas ton sorti. L'argent, là, tu as perçu ça. Au début, moi, j'avais des doutes. Mais aujourd'hui, là, j'ai suivi sa vidéo. J'ai suivi cette démonstration. Et quand il arrive sur le mot withdraw, il dit que c'est une transaction que la banque a opérée. C'est faux. Withdraw, c'est pas ça. Si on avait le temps, j'allais moi-même sortir mon compte bancaire. Et j'allais te montrer tous les withdraw. J'allais tout te montrer. Tu allais voir que c'est retrait. Donc, il a retiré la somme d'argent. Ah ouais. Il a dû mettre ça dans une autre somme. Il a dû mettre ça dans une autre... dans un autre compte bancaire. Non, il a mis ça en bas de... la canarie en bas de lui. Parce que si il met le compte... Voilà, ou bien il a mis ça à la maison. Dans mallette. Mais une mallette. Voilà, tous les jours, il utilise un peu. Et puis, il faut regarder que aujourd'hui ça a changé. Est-ce que tu as remarqué que ça a changé? Hein? Les 213 000 euros, là, toutes les transactions qui étaient à côté, là, c'est-à-dire en bas et au-dessus. Ça a disparu. Ça a disparu. Il y avait 20 000 euros, il y avait 11 000 euros. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ouais, où c'est parti? Ouais, ça allait où ça? J'ai remarqué ça aussi. Ça allait où ça? J'ai remarqué ça. Tu vois, non? J'ai remarqué ça aussi. Donc, le camarade essaye de se débattre, comme tu l'as dit, comme un beau diable. Il se débat comme un beau diable, mais il ne peut pas nous tromper. Ouais, ouais. Il n'y a pas une banque dans ce monde-là. Je dis moi-même, là, c'est ce que je veux faire. Ce qu'il est en train de dire, là, c'est ce que je veux faire. Je m'apprête à faire dans les mois qui suivent. Faire un dépôt de moins, 15 000, 20 000 dollars. Une banque va me prêter, mais au moins une banque va prendre une maison pour moi. Je vais vivre dedans. Voilà. Mais ce qu'il est en train de dire, là, une banque ne va jamais déposer cet argent sur son compte. Ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est de la corruption pure. C'est de la corruption pure. Le camarade est corrompu. Et actuellement, comme tu dis que tu es un investigateur, je pense qu'il faut investiguer pour savoir qui lui a donné cet argent. Ouais, ouais. Ça, laisse arriver. C'est le petit truc que j'ai te demandé de faire. Il faut aller investiguer pour savoir qui lui a donné cet argent. Ouais, ouais. Mais c'est pas Ouattara. Je crois pas que ce soit Ouattara. Mon cher, Donis, c'est un trafiquant. C'est un contrebandier. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis continue la vidéo tranquillement, comme toi bien, et puis on est ensemble. Ok, il y a foi. Ok, on est ensemble. Ok. Bon, voilà ça, voici ce qui est clair. Voilà. Nous, on n'est pas banquier, il y a des gens qu'on compte à banque et ils sont venus expliquer. Voilà, maintenant ceux qui pensent que c'est la jalousie, ça c'est vous qui voyez, nous on s'en fout de ça. Nous on s'en fout éperdument de ça, c'est tout. On dénonce un voleur, c'est tout. Voilà, ceux qui vont venir raconter l'aide, maintenant on s'en fout de ça là. On s'en fout réellement. Vous n'avez pas compris quand vous parlez, on vous calcule, on s'en fout de ça. Voilà, nous on a une mission, c'est de démanteler un gang. Et on l'a démantelé, c'est tout. Voilà. Il y a un gars qui est venu dire, c'est un travail, ça c'est ton affaire mon frère. Voilà. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, Bessa. Voilà. Charlie à l'appareil. Ok, je t'en dirai, okay. Monsieur Charlie. Bon, je salue tous tes auditeurs.
Je tenais pour t'appeler pour te remercier Merci, pour toute champion. la patience que tu as eue et pour le travail abattu. Merci, champion. Parce que là, ceux qui avaient les yeux clairs, clairs, avaient vu ça déjà depuis longtemps. Mais bon, comme on sait toujours, il y a des fanatiques où il y a des gens qui suivent et ou des gens qui ne veulent pas admettre la vérité. Là, la vérité est sortie à nu. Ouais, ouais. Voilà. Malgré tous les dénigrements que certains ont pu avoir, malgré toutes les choses qui sont passées, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Ouais, ouais. Johnny, c'est un faussaire, un manipulateur. Un c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Il est là pour dénigrer les gens. Il est toujours là en train de vouloir faire pitié, vouloir faire des trucs comme ça. Un mendiant. S'il peut même assassiner les membres de sa famille, il va faire ça cadeau. Aïe. Cadeau. 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 Oh, mon Dieu. Voilà. Donc maintenant, ce type-là est mis à nu. 2020, c'est bientôt. Les Ivoiriens, vrais, vrais, doivent se donner la main pour continuer le travail et éviter que ce gouvernement reste en place. Voilà. Je tenais encore une fois, je ne vais pas être long, à remercier et à dire merci à Philly qui a pris son courage à deux mains parce que ça n'a pas été facile. Hein. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un, si tu sais même qu'il ment même, mais à un moment, c'est vrai, tu ne peux plus protéger cette personne-là. Tu vois, il faut quand même remercier Philly pour ce qu'il a fait. Après, dans ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, ça ne nous regarde pas. Mais il a quand même. C'était le dernier rempart pour Johnny. Maintenant, Johnny n'a qu'à rester avec qui il veut, avec les illettrés s'il a envie, mais nous, on ne le croit pas. Donc il peut insulter Makoso, même Makoso est mieux que lui-même. D'accord? Parce que là, ce que Johnny fait, il joue, c'est pire que même Makoso. Lui, c'est même pas un cyberactiviste, lui, c'est un terroriste dans le cyberactivisme. C'est un marmailleur, un brouteur. Les gens ont cotisé, il est toujours en train de pleurer ici, les gens ont cotisé, les gens se sont fait insulter, les gens ont pris des risques pour lui ici. Et regarde, il arnaque des pauvres mères ici qui envoient le peu qu'elles gagnent pour qu'il se soigne et pour qu'il prenne un avocat là-bas. Mais où est le compte-rendu de tout ce qu'il fait? Au lieu de justifier 200 000 euros, il prend les gens pour des idiots ici. Il y a des gens qui sont même avocats, qui travaillent ici, qui ont salaire revenu de 5 000 euros, 10 000 euros. La banque ne donne pas 200 000 euros comme ça cadeau. Il prend les gens pour des idiots, lui. Lui, quelqu'un qui dormait à l'hôtel, aujourd'hui, c'est lui qui c'est une banque avec un an de contrat, c'est une banque qui va lui donner un 200 000 euros. Mais ça va pas dans la tête. Il se fout de la gueule du monde. On sait de quelle manière ils ont fait ça, on connaît ça. Donc on va pas refaire les détails, on sait comment ils ont fait. Il n'a qu'à manger cet argent-là, rester dans son coin et rester avec les gens qui veulent le suivre. Mais moi, je dis aux parents ivoiriens, 2020, c'est bientôt, chacun son travail. Il y a des gens comme toi qui sont là pour mettre les gens à nu, d'accord? Et ceux qui doivent faire le travail de conscientiser les autres et travailler. C'est pas la peine de vous tirer dans les pattes pour rien du tout. Et ne défendez pas les faussaires. Maintenant, nous on attend Soro Guillaume, notre frère Soro Guillaume, c'est un Ivoirien aussi. Il a fauté, il n'a qu'à venir se confesser, tel que l'a fait Philippe Bagbo avec Johnny Pacheco. Parce qu'on peut mettre aujourd'hui, on ne pourra quand même pas comparer ça. Comparaison n'est pas raison. Mais la manière dont Philippe est arrivé, Soro, c'est la même manière qu'il doit arriver. Et là, les Ivoiriens, on va s'asseoir à côté de lui et on va commencer à travailler. On pourra commencer à travailler ensemble. On attend notre frère Soro. Donc, à tous les cyberactivistes, continuez à travailler et à mettre la pression. Soro va finir par venir s'asseoir comme Philippe Gbagbo a fait réellement. D'accord? Si vraiment il est sincère. Bon, encore une fois, merci beaucoup, Dessin, pour tout ce que tu fais. T'es un genre de parfum, t'es un antivirus, anti-marmailleur. D'accord? Sur la maison ici, c'est très bien. Bravo. Yo, on est ensemble. Bonne continuation, on est ensemble. Hein. Ok, yo, on est ensemble. Allez. Okay. Merci. Allô? Allô? Oui, allô? Le temps direct là? Oui, oui, Dessin, bonjour. Ok, bonjour, champion. Oui. En fait, j'ai suivi la vidéo de Johnny. Hein? Bon, il semble être convaincant, mais il reste une seule question à lui pour poser. Déjà, sur le compte, on a vu moins de 113 000 euros. Mais sur le même relevé, il faut qu'il nous montre. Quand est-ce que les 213 000 euros sont arrivés sur son compte? Avant qu'il n'y ait retrait, il doit avoir d'abord un approvisionnement.
plus de 113 000 euros avant qu'il de nous montrer le retrait. Donc, il n'a qu'à nous montrer maintenant son relevé. Le jour où la banque lui a viré l'argent, et le jour où on voit le retrait de 213 000 euros. Sinon, par quel moyen les 213 000 euros sont venus sur son compte? Ça, il ne nous a pas dit ça. Donc, voilà. Ça, ouais. Allô? Oui, allô? Vous avez fini? Oh, c'est tout. Ok, merci champion, merci pour tes interventions ensemble. Je vous en prie. Merci. Ok, ensemble, ok. Ciao. Bon, je pense que le terroriste a été mis à nu. Il va se débattre pour se justifier, mais ce que je suis, nous, on retient que c'est un gangster, c'est un bandit de grand chemin, un bandit à col blanc, qui est prêt à tout pour de l'argent à liquider ses amis. Ce n'est pas Philippe Babo qui nous dira le contraire, même moi-même, de s'animer. J'ai été l'objet d'une cabale éhontée parce que ce gars voulait s'inscrire dans une logique d'escroquerie. Comme il sait que de s'animer n'est pas animé par l'escroquerie, il a préféré créer une cabale soutenue par ses lieutenants afin de passer à une campagne de dénigrement contre ma personne. C'était pas fort, peut-être que j'allais me suicider. Mais encore, nous sommes des militaires, ça glisse. Ça a glissé, ça a glissé. Et après, on est passé à l'offensive. Mais pas une attaque frontale. On a commencé à collectionner des indices. Voilà, sur au moins un an et demi. Et lorsqu'on a fini de collecter, tac, on a contre-attaqué. Donc voici le résultat. Le MPA c'est vidé de sa substance. Voilà. Et ce n'est pas un débat. Le travail a été bien fait. Voilà. Là, il reste le sature. Il se débat, mais il ne voit plus rien. Parce qu'il était mis à nu, il ne voit plus rien. Voilà. Si ce 07 58 11 74. Allô? Allô? Oui, allô? On vous écoute, monsieur, vous êtes en direct. Oui, allô? Allô, parlez, monsieur, on vous écoute. Ah, d'accord, ok. Au fait, il y a un truc qui me surprend quand même sur Johnny quand il parle d'achat d'appartement. Il y a un truc qui me surprend sur Johnny quand il parle d'achat d'appartement. Ouais, ouais, ça surprend tout le monde. Voilà, parce que quand vous voulez acheter un appartement chez les Blancs, nous sommes tous en Europe, quand tu achètes un appartement ou une maison, ah ouais, tu passes d'abord soit par le propriétaire ou soit par l'agence. L'agence, vous allez voir la maison ou l'appartement quand ça te plaît, tout ça. Ah ouais. Ils vont signer un document qui atteste que l'appartement te plaît, n'est-ce pas? Donc c'est un document qui va peut-être réserver la maison, l'appartement pour toi. D'accord. Ensuite, celui qui vend la maison, l'agence, a un notaire. Vous fixez le prix de l'appartement d'abord. Dès que c'est discuté, vous allez ensuite aller rencontrer le notaire, n'est-ce pas? Mmh. Le notaire pour l'avertir de l'achat de cette maison, de cet appartement. Ah ouais. Ce qui va se passer par la suite est que la banque, quand ils vont virer l'argent, la banque ne vous vire pas l'argent à vous. Ah ouais. La banque vous vire directement l'argent au propriétaire ou au propriétaire. Normalement. Et toi, le contrat que tu as avec la banque, c'est le remboursement, n'est-ce pas, de cet argent-là à la banque sur un certain nombre d'années. Mais ouais. Mais comment Johnny qui dit qu'il a pris l'argent pour acheter une maison avec crédit, l'argent est venu sur son compte comment? La banque n'envoie pas l'argent sur le compte de celui qui va sur la maison. Je suis désolé. Mais ouais. La banque traite directement avec le propriétaire ou l'agence. Et ah ouais. Toi, il y a un contrat qui vous lie, un contrat de remboursement au fait qui vous lie. Ah ouais. Mais pour dire qu'on a versé de l'argent, ouais, ça a été transféré sur mon compte, j'ai retiré ça. Mais au fait, il se fout voir lui. Parce que moi, quand je regarde certaines personnes écrire ou supporter ce genre de trucs, ça moi, je les appelle des analphabètes. Ah ouais. Tu vois, il faut être bête pour suivre ce gars-là. Ça fait dire au fait. Ah ouais. Moi, je ne dis pas.
pas que Johnny est quoi que ce soit, ça m'intéresse pas, c'est sa vie. Chacun de nous a sa vie. Ouais. Voilà. Il y a certains qui ont suivi Jésus, qui se sont retrouvés en train de trahir Jésus après. Donc, ça, c'est eux qui voient. Mais ouais, cette procédure d'achat de maison ou d'appartement en Europe, je suis désolé, que ce soit pas en Europe, que ce soit partout, mais c'est comme ça que ça se passe. On ne paye pas l'argent. À Abidjan, si tu vas acheter une maison avec moi, tu comprends, non? Tu es passé par mon agent. Tu veux acheter moi ma maison. La banque me tire l'argent et toi, tu passes un remboursement. Quand tu vas à la banque, c'est vous qui discutez comment ça se passe sur le nombre d'années. Mais lui, il a eu l'argent et puis il a retiré tout d'un coup. Arrêtons de jouer la comédie, mon frère. Ok, allez, bonne journée. Nous, on travaille. On avance. Allez, merci bien. Ok, merci. Au revoir. Mmh. 07 58 11 28 114. Denis appelle puis on s'est laissé. Ouais. 07 58 11 28 114. Pourquoi il veut intervenir? Il voulait intervenir, c'est pas. Voilà pourquoi il veut intervenir. Tu es intervenu? Ouais, je vais intervenir rapidement, je suis venu là. Ok. Yeah. Ok, tu es en direct là? Yeah, depuis longtemps, je suis là, tu es si gang, tu es si gang. Moi, il t'a dit, il dit ce gars là, tu as fini tôt ou tard là, pour le faire tomber. Il s'est pas dit tu es un commando, boum, tu es un plein. Il te connaît pas, c'est l'homme qui te connaît pas là, c'est lui qui a douté. Ouais. C'est lui qui a douté. Un petit voleur comme ça, lui passe quoi? Toi, tu vas te mêler avec toutes ces conneries des petits vols à combien, ou même toi, tu vas te trahir. Non, c'est pas comme ça. Ouais, ouais. Johnny là, c'est quelqu'un là, il est envieux, il n'a jamais, ce qu'il fait maintenant là, il n'a jamais eu ça quand il était petit. Il a beaucoup souffert. Donc c'est pour cela son comportement là est comme ça. C'est ça. Tu vois. Et puis comme l'autre là le disait là, il va hypo. Ouais. On a dit 8 dollars, c'est retiré. Ouais, ouais. Il ne faut pas nous baigner. Nous aussi là, on a eu la chance d'être dans les pays anglophones. Donc il n'a qu'à arrêter. Il a eu son jeton, il n'a qu'à faire pas, il n'a qu'à s'éclipser. Toi ou toi tu es là, tu l'as terrassé, c'est fini. Ouais, ouais. C'est fini. Ouais, donc, ouais. Où il est là? Il est affaibli carrément. Champion, tu es un commando, ton béret rouge là. Il sait pas où t'as eu ça. Ouais, là, je suis un plaisantin. Ouais, ouais. Un plaisantin. Ouais. C'est un gars là. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Johnny là, c'est quelqu'un là. Au début, mais comment il a commencé avec Arafat pour se faire en fait là, des vues sur YouTube. YouTube paye. Après, il est dans Jossi Gun. Il sait qu'à un moment là, Bagbo allait être libéré. Tu comprends, non? Ben ouais. Mais il a commencé, il savait qu'il n'allait plus être suivi. Parce que Joe, lui derrière là, Bagbo est libéré, bon, hop. Tu comprends, non? Chacun est retenu à ses activités. Donc, qu'est-ce que lui fait? Allô? Allô, tu m'entends? Ouais, j'attends. Donc, qu'est-ce que Johnny lui fait? Il s'est dit, où je suis là, c'est une affaire de blé. Tu comprends, non? Mmh. Attends, il a retenu ma presse. Là, je vais avoir encore plus de suiveurs. Là, les gars de l'autre camp, là, des RDL, là, ils vont plus venir et puis ils vont avoir un jeton R avec YouTube et puis en fonction de cela, là. Voilà. Tu comprends, non? Donc, c'est un mort d'intérêt. Ouais. Il te dit, boum, tu vas voir ici. Ce même gars-là, il va venir ici pour dire que, vraiment, lui présente des excuses à la nation. Que lui, là, voilà. Ça vient un peu. Ça va venir. Et puis comme nous, on est Ivoirien, nous, entre nous là, ce qui est bon chez l'Ivoirien, c'est qu'on ne s'est pas gardé rapide. Voilà pour dire à Philippe Bagbo. Philippe Bagbo, moi-même, il m'a insulté. Il a insulté ma maman. Ah ouais. À cause de quoi? Parce qu'il a dit, Philippe, tu n'es pas dans la vérité. Oh, ta mère con, c'est comme ça. Mais moi, je ne réponds pas. C'est qu'aujourd'hui, s'il a vu qu'il était animé par le diable, Dieu merci, tu l'as enlevé de là-bas pour venir. Johnny, si lui veut là, Johnny là, il va monter s'il veut pour sauter pour se tuer lui-même. Parce qu'à un moment là, c'est les mêmes causes, ce qu'il fait là, c'est les mêmes trucs que Arafat l'a fait. C'est-à-dire qu'à un moment, les autres ont poussé tellement la gloire que tu te dis que tu es si un piédestal. Tu comprends, non? Mais tu ouais. Es un imbécile là, ça serait un peu trop être loser. Donc c'est pour cela, il va rester là, lui, sur sa coquille. Les gens vont le blaguer, bah, un moment, pas. Le mec va devenir fou, il va avoir dementia, il va devenir fou. Parce qu'il pense que Facebook, c'est tellement la réalité pour lui, il va devenir fou. Donc, champion,
Ouais. Comme on a le courir là, c'est vrai, je big up à toi. Ok, à fond, fils. Tout le monde de Sikora te dit, t'es un champion. Ok, à fond, à fond. T'es un Zambès champion, t'es prêt. Ok, à fond. Alors, ensemble, mon fils. Alors, ensemble, boum. Ok, tiens. Allô? Allô? T'as comment y'a? Ouais. T'es en direct? Je vais venir un peu vite parce que je vois un peu, je lis un peu depuis la détruit là. Ok, ok. Je vois un peu la je fais ça bon, je sais pas si ouais, ouais, ouais. Allô? T'as continué, bonjour. Hein? D'abord, bonjour. Et puis, dis par rapport à tout ce qui se passe là. Hein? Mmh. Dis aux gens, les gens en fait ils pensent qu'on on parle de ce jury là parce que c'est ça les jalousies. Non! C'est l'argent là dont on parle là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire, c'est l'argent du contribuable ivoirien. Le gouvernement Ouattara là, le gouvernement fébrile là, qui pense qu'ils vont payer les cyberactivistes ici en France, donc ils en fait n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de programme, ils n'ont rien. Ouais, ouais. C'est Johnny là qui dit, je suis un combattant, j'ai des convictions, je suis moins cher. C'est un combattant, ils vont payer ton âme et ta conscience, la France. Ouais, ouais. Ici en France là, où moi je suis depuis 89 là, même un crédit de 300 euros, quand tu prends un crédit de 300 euros, on ne te fait jamais. Un crédit de 5 000 euros pour prendre une voiture, on verse au garage. Depuis qu'on l'a versé, on prend un crédit pour maison, puis on verse, on te verse. Ce sont les incultes, les poids, les tilapia là. Parce que ceux qui le suivent là, ce sont les incultes. Je m'excuse, mais c'est un constat. Tu ne peux pas vivre en France, connaître des lois, avoir pris un crédit en France pour raisonner comme ils raisonnent là. Comme vous êtes jaloux, que c'est la vérité. Puis le monsieur qui est venu parler là, il est convaincant. Qu'est-ce qu'on appelle convaincant? Si aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent cette histoire-là de plusieurs façons. Il y en a qui ont dit non, Philippe Babo, c'est parce qu'il n'a pas eu les 30 000 euros, qu'il n'a pas eu l'agence qui en parle. Mais moi, je crois en Dieu. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu, tout simplement. Il a fallu passer par là pour qu'on sache qui pourrait penser un instant que toujours passer sur la toile, les gens disent non, 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 c'est faux, les gens ont toujours menti. Mais aujourd'hui, là, c'était bête, comme on dit en Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'on peut discuter? Donc ceux qui le suivent là, vous pouvez le suivre, les incultes là, suivez-le, parce qu'il faut être inculte pour pouvoir suivre ce monsieur-là. C'est quelqu'un qui va berner, comment quelqu'un de mon frère, petit frère, de toi à moi. Pendant 8 ans, tu as parlé, tu as dit quelque chose, et puis tu changes un virement comme ça, paf, tu changes. En 8 années, donc 8 années, tu t'es bête quoi. 8 ans, tu t'es bête? Non, parce que c'est l'argent. Et c'est ça, on dit un homme. C'est ça, on dit un homme. À genoux, en bêté, comment on dit, oui, si. C'est ça, on dit, oui, si. L'argent te paye. Paye ta conscience, ta conviction. C'est-à-dire que tu n'es rien, c'est comme une enveloppe. C'est-à-dire qu'en fait, si comme l'appelle, mais une autre personne vient te donner 1 million d'euros, mais c'est n'importe quoi. C'est ma honte. Moi, depuis hier, je suis dégoûté, je suis de vomir. Quand vous êtes contre lui. L'argent de 200 000 euros, là, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est pas lui qui dit que les papos sont volés. C'est pas lui qui parle ils ont détourné, ils ont comme ça. C'est pas lui. Et lui, après, l'argent de la Côte d'Ivoire, puis nous, nous sommes ivoiriens. Moi, je parle en tant qu'ivoirien. Mon papa, il est vert. Oui, c'est mon argent. Ouais, ouais. À quoi c'est niaiserie alors qu'il y a des communes qui n'ont pas été français? Alors il y a des familles qui ne mangent pas les repas en Côte d'Ivoire et ils prennent l'argent de la Côte d'Ivoire, ce gouvernement de merde là, ils prennent l'argent de la Côte d'Ivoire pour distribuer aussi à les plaisants, aux plaisantins ici en France. Pourquoi ils viennent faire, oui, Babou il est comme ça, c'est ça la politique? Les Babou le roi là, ils ont commencé la politique depuis 69, ils n'avaient pas 1 euro. Mais vous faites politique avec l'argent, c'est ça la vraie politique? Ouais. Moi j'ai été cassé, moi j'ai été cassé. Moi, tu viens de parler pendant 8 ans, tu dis, pas voir les volumes. Toi là, tu dis, ça veut dire que tu changes, mais que pareil, c'est pareil. Mais moi, c'est toi, c'est tellement dégoûté que tu ne peux pas comprendre. On dit que oui, on donne non, à chaque fois, non, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir, Siri. Arrêtez de mentir, Siri. Mais voilà, la vérité. En Europe, ici, 200 000 euros, crédit de maison, et puis on te file ça. À qui ici? Nous, on a pris crédit ici même 5 000 francs. 5 000 francs, mais on se sent, on va être au garage. Jamais! C'est pas une fois qu'on voit où on donne. Mais la mère, les petits lapiers qui le suivent, qui emmènent les gens, qui viennent essayer les gens à l'orée d'une lame. Vous pensez que. Mais attendez, demain, là, quand le cas va pouvoir lui donner 1 million, il va revenir encore des moutons comme ça. Vous l'avez suivi pendant 8 ans, c'est pas vous qui avez suivi.
Ok, à quoi, Mia. Ouais, Nian, t'as moi de faire encore la vidéo là. Non, mais je te dis, c'est qui ça? Allô? Allô, Johnny. Hey, tu m'appelles comment là? Ah, c'est Gessin, s'il te plaît. Allô? Ça va? Oui, c'est pourquoi tu fais. Allô? Allô? Donnez l'appel. Allô? Allô, Dessin. Allô, faut parler fort. Ça va, Dessin? Ouais, t'écoutes là. Ok, pour participer à ton émission. Ah, on vous écoute, monsieur. J'aimerais rester, s'il te plaît, anonyme. Je te donne trois indices. Pour que tu investisses. Pour voir si le monsieur a eu l'argent ou pas. Quand il a viré à 190 degrés, il disait qu'il est trop acide. Tu te rappelles? Ouais, ouais. Il te dit qu'il est trop acide. Il est acide. Ouais, ouais. Ça n'a même pas fait un mois. Il a fait le transfert pour se retrouver maintenant à RHDP. Ouais, ouais. C'est le deuxième indice. Le troisième indice, le virement de l'argent. On ne peut jamais voir ça ici. Tu connais son ami Barakat? Tu connais Barakat? Il était parti au pays. Donc, c'est ces trois indices. Comme tu es un vrai commando, il faut bien finir. Donc, si tu me comprends bien. Si je comprends bien, tu as masqué ton appel. Je sais que tu n'es pas en France, tu es en Scandinavie. Mais tu ne dis pas de Barakat. Je vois. Moi, je t'appelle parce que moi, je dis quelque chose. Arrête. Moi, je t'appelle anonyme. Si tu vois le téléphone, c'est anonyme. Ok, j'ai vu, c'est anonyme. Je veux pas être reconnu. C'est pourquoi je t'appelle anonyme. Ok, ok. Je te donne trois indices. Trois, il se dit Assidi. Assidi n'est pas pro-RHDP. Mais quand il a fait ces 390 degrés là, il se disait, Johnny disait qu'il est trop acide, il est trop acide, bien il est trop acide, il y a quoi après? Ça n'a même pas fait deux mois, le monsieur est viré du RHDP. Parce que Barakat était parti au pays, le virement de l'argent sur son compte, il y a une association, une ONG qu'ils ont créée là-bas au pays, il y a une société qu'ils ont créée au pays, le pilote de cette société là, c'est monsieur Barakat, qui était parti au pays, tout est réglé. De cette même façon-là. Donc, comme tu es un vrai investigateur, je te donne ces trois indices, et fuis bien, et Barakat, il ne faut pas exempter Barakat. Donc, du coup, et on se peine. Ok, à fois, merci, champion. Merci. Voilà. Vous qui parlez pour dire mensonge, que ouais, n'a pas été viré là. Voilà. Voici lui-là qui a tout éclairci, ce gars-là.
Il a pris cet appel anonyme. Regarde sa voix, hein, c'est pas un Ivoirien. Voilà. Et le nom qu'il dit, moi je connais le gars là. Barakat, c'est l'homme de main de Johnny. Voilà, Barakat. Bon, tout compte fait comme il a dit, il a fait l'investigation. Voilà. Donc c'est comment bien, il a... Bon, dans une de ses vidéos, qu'est-ce qu'il a dit? Eh, mais le gars a tout éclairci. Il a tout éclairci dans une de ses vidéos. Quand il lui montre son compte, il dit, ouais, voici mes transactions. Les 10 000 euros, les 20 000 euros. Ça, c'est l'un de mon business. T'as quel business? Donc, ce qu'on comprend bien, il a envoyé Barakat en Côte d'Ivoire pour ouvrir une ONG. Donc, ils ont fait... Bon. On va développer ça. Parce qu'il ne faut pas que la vidéo soit longue. On va développer ça. Donc, quand il dit, il parle de business, mon business, ça veut tout dire. C'est papa à l'ONG qu'il a déjà en Côte d'Ivoire, par le bel de Barakat, comme il parle en Côte d'Ivoire, il a envoyé Barakat. Barakat, il le connaît. Barakat, là, Dobak, le connaît, je le connais. Ils sont venus chez moi ici. Ils sont venus chez moi ici, Barakat. Bon, les morts. Johnny, tu as vu? Il t'a dit, je vais te... Voilà. Ah, c'est un bon son comme ça. Donc, tu as société en Côte d'Ivoire. Tu as ONG en Côte d'Ivoire. Tu as ONG en Côte d'Ivoire, Johnny Pacheco. Comme dans ta vidéo de matin, tu t'es trahi. Tu dis, pour qu'on me vide de l'argent, il faut monter des dossiers. Il faut monter des dossiers. Mais en Côte d'Ivoire, on peut monter des dossiers pour te faire un virement. On peut monter des dossiers dans fiction pour te faire un virement, Johnny. Bon, moi, il y a les doutes. Parce que bon, il voulait te dire, non, matin, il voulait, mais tu peux la faire en Europe ici pour qu'on vide l'ancien compte. Il faut qu'on monte des dossiers. Soit on prouve que ouais, vraiment, tu as une. Tu as une attache en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, ouais, le gars il a tout dit. Tu as une ONG en Côte d'Ivoire. Tu as une ONG. Les gars ont construit une ONG, fabriqué une ONG pour toi. Donc, en quelque sorte, c'est un blanchiment d'argent en fait. Vu que toi, Denis, on peut t'envoyer l'argent comme ça, tu donnes ton nom. Donc, on fabrique une ONG et on met ton nom aussi. Et c'est, on fait des transactions bancaires. Mon petit, mais tu es tchou, petit. On va revenir dessus après. Là, il s'est occupé là. Si c'est, ciao, ciao, ensemble. C'est combien de minutes? On va revenir dessus dans... On a tout le temps. Hein? Dans 2 heures du temps. Voilà. 2 heures du temps, on vient dessus. Johnny, il a une ONG. On va expliquer le mécanisme. Si c'est ciao, ciao, ensemble.